Hop. On devrait être bon dans 3 secondes. Et normalement, vous nous voyez. Et c'est bon. Je vais couper la musique. Ah, merde. Évidemment, ça marche pas. Voilà. Paf. Voilà, vous nous revoyez. On est bon. Bienvenue. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, j'espère ne vous oublier pas. Bonsoir. Mais voilà, bonsoir Lucie Halls, Mélanie, Nana, Dame Germins. Et qui doit être Elaran, qui est là aussi, le petit viewer Romain. Tous les gens de chez Croca, du coup, qui sont venus ici. Les modos, ouais. Les modos, oui, c'est Romain, je sais qu'il est modo. Romain, voilà, Luciol, Elaran, son modérateur. Luciol et Elaran, ouais. C'est ça. Et ben voilà, bienvenue les modos de chez Croca. Ici, vous n'êtes pas modérateur, ceci dit, donc... donc attention, mais... N'est-ce pas, Romain? Oui. Et Melkor, bonsoir, bonsoir Melkor, bienvenue tout le monde. Puisque ce soir sur la chaîne, du coup, je reçois une invitée, je reçois donc Crocaccino, que certains connaissent déjà, que d'autres ne connaissent pas forcément. Et alors attendez, parce que voilà, on a un petit souci. Non, c'est bon, vous nous voyez à l'écran à nouveau. C'est bon. Croca, du coup, donc on va échanger un petit peu avec elle sur son métier, sur Twitch, sur son deux aussi, peut-être le fait voilà, d'être une meuf, une femme sur Twitch, qu'est-ce que c'est, et puis le streaming, sûrement en général. Enfin, voilà, on connaît Croca qui se définit elle-même, si je lis la bio, hein, avant de te laisser la parole, comme infographiste 3D et streameuse multigaming passionnée. C'est vrai. On me surnomme Croca ou encore Mamie Croquette. C'est vrai aussi. A priori, tout ce que j'ai mis, c'est vrai. Mais on ne sait jamais, ça fait longtemps, je ne l'ai pas corrigé. Chaque jour, je t'invite à découvrir mon univers, mes aventures et mes passions avec une pincée de funny fail. Zoubizou. C'est vrai tout, pourquoi pas. Voilà. Donc bon, la bio est un petit résumé. Attendez, je vois l'invité du jour et machin. Attendez, je vois que Stream Elements, je vais le mettre à jour. C'est plus aimé. Mais oui, c'est quoi, pendant que je mets à jour le bot, voilà. Ouais, je vais me présenter, c'est ça. Voilà. Fais-toi plaisir. Ça marche. Bon, bah, pour ceux qui me connaissent pas dans le chat, voilà, je m'appelle Croca, du coup, sur Twitch en tout cas, dans la vie, je m'appelle Caroline. Je suis infographiste 3D la semaine, le soir je stream sur Twitch pas mal de projets à côté, voilà. Je suis infographiste 3D dans le cinéma d'animation et spécialisée en CFX, c'est l'animation des vêtements des vêtements, des poils, des cheveux des personnages. Et toutes sortes d'objets qui sont un peu textiles, ça peut être aussi les draps, les rideaux, ce genre de choses. Donc voilà ce que je fais dans la vie. Et sinon, je le suis plus depuis que je fais Twitch, mais j'ai été comportementaliste canin et félin pendant 2 ans. Ok. Voilà. Je le suis techniquement encore, mais c'est juste que j'exerce plus. D'accord, oui, genre à côté encore. C'est ça. Okay. Sur Twitch, je stream principalement du gaming, de la créa aussi, parce que étant dans le milieu artistique, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et que j'apprécie développer, parce que c'est un espace de partage, Twitch, et je trouve qu'à travers l'art, il y a tellement de choses à faire, et c'est quelque chose qui me fait vibrer et qui me passionne, donc je trouve ça normal aussi de partager ça, même si je fais pas de 3D. Voilà, beaucoup de blabla. Je suis très bavarde. Ouais, mais donc... après ça va. On a l'habitude des gens bavards. Ok. L'habitude des gens bavards ici. Tout va bien alors. On peut y aller. C'est une belle présentation déjà, je trouve. Parce que moi, je sais que je l'avais découvert du coup, quand j'ai commencé à streamer et qu'on m'avait conseillé de te raid, donc ça doit faire un an. Un an et demi, je pense. C'est vrai. Ça passe très vite. C'est clair. Ça passe si vite. Voilà. Ouais. Un an et demi. Et toi, je crois que tu as commencé le streaming il y a 2 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Deux ans et demi, bientôt, ouais. En fait, c'est au moment du confinement, quand en fait, je me suis retrouvée, comme tout le monde, hein, chez moi, à la maison. Mais par contre, j'avais déjà en tête de créer ma chaîne. J'avais déjà fait des croquis au boulot. Et du coup, ça a été l'occasion, en fait, de monter ma chaîne, faire les overlays, parce que mine de rien, créer une chaîne, ça se fait pas comme ça, quoi. Enfin, on peut, mais voilà.
Bah oui, c'est ça. On va y venir, je pense, après, au côté, ouais, tout ce qui est overlay, technique, machin. Avant, on va peut-être Ça déjà parler un marche. peu de, voilà, un peu plus de toi. Parce que, comme tu as dit, donc toi, tu es infographiste, donc 3D, CFX, C'est pour ça. le cinéma d'animation, c'est ça? Enfin, Ouais, pour le cinéma l'animation. d'animation. Le Voilà. cinéma d'anime, donc ça va être principalement pour l'instant. En tout cas, j'ai plutôt travaillé là-dedans, dans le cinéma d'anime, mais j'ai travaillé dans la publicité, je travaille dans la télé, je travaille dans pas mal d'autres secteurs. À partir du moment où c'était de la 3D, mais aujourd'hui, je suis plutôt spécialisée dans le cinéma d'anime, donc c'est des dessins animés en fait, mais en 3D si vous voulez. C'est-à-dire que c'est toi qui as fait les pubs Orangina gênantes là avec les animaux? Non. Non, j'ai pas fait ça. J'ai C'est pas eu vrai. cet honneur. J'aurais été fière quand même parce que Oui, ça a marqué les esprits, donc tu vois, c'est quand même cool. voilà. Tous ces animaux en sous-vêtements. Mais donc ouais, t'es là-dedans. C'est un truc qu'on retrouve quand même un peu. Je suis désolé hein, si les gens entendent l'orage, je suis obligé un peu d'ouvrir les fenêtres chez moi, parce que sinon je meurs. Mais vous me dites si c'est vraiment gênant. Bon, moi ça me gêne pas Enfin, perso, mais. toi ça va aussi? Ok. Ouais. Ouais, c'est qu'en fait on retrouve le côté un peu artistique chez toi et tout, parce que tu as un projet, moi j'aime bien, je pense que ça vaut le coup d'en parler et tout, qui s'appelle le Ouais. Drawgazer, Ouais. que moi je suis de temps en temps de loin quand je passe sur ta chaîne en lurk ou quoi, qui est l'idée un peu d'un cadavre exquis du coup en dessin, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est ça. Voilà. En fait, pourquoi toi tu as voulu garder un petit peu une partie de ton. Enfin déjà, est-ce que tu peux présenter le Drawgazer et surtout, voilà, est-ce que tu peux expliquer aussi peut-être pourquoi tu as choisi de garder un petit peu de ton métier, c'est-à-dire donc de ce qui compose quand même ta semaine de travail, dans Twitch aussi, qui est là le soir en semaine. Alors en fait, je trouve que c'est différent parce que même si c'est de l'art, en fait, ce que je fais en semaine, ça a quand même rien à voir. Enfin, D'accord. c'est de la créa, mais moi je fais de la 3D. Je suis dans un logiciel 3D toute la semaine. Et en fait, le Drawgazer, certes, il y a une composante artistique que je ramène, mais je fais principalement de la 2D en fait, finalement, sur Twitch. J'ai pas fait de 3D encore. Après, peut-être ça arrivera, je sais pas, mais c'est pas dans les projets immédiats parce que j'aime bien aussi me challenger sur des choses où je suis un peu moins à l'aise, même si ça me stresse beaucoup. Mais donc pour le Drawgazer, pour présenter un peu, donc en gros c'est né d'une remarque du petit viewer qui est, je crois, dans le chat. Je crois, je sais plus, je me Yes. rappelle plus exactement, mais il avait fait. J'avais dit ah, ce serait cool de dessiner ensemble ou un truc comme ça. Et il a dit ah mais si ce serait possible. Je sais pas comment ça s'est passé, mais bref avec la remarque de petit viewer. Je me suis dit, bah, allez, et puis il y avait des gens dans le chat qui dessinaient et ils se sont dit, bah, allez, vas-y, on fait ça. Et en fait, parce que je leur ai demandé s'ils connaissaient le cadavre exquis. Le cadavre exquis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement qui est né dans les années 20, en fait. C'est même pas un mouvement, en fait, c'est un jeu qui a été inventé, en fait, par les surréalistes. T'inquiète, pas de souci. Par les surréalistes en 1925, par là. Et en fait, c'était un jeu avec des mots. Donc, il y a quelqu'un qui faisait le sujet, et sans que l'autre connaisse le sujet, le suivant faisait le verbe, etc. Et ça créait des phrases complètement surréalistes, en fait. Et d'ailleurs, le mot cadavre exquis est né de la première phrase qui a été créée. Je sais plus c'est quoi, c'est le cadavre exquis boira le vin nouveau. Je crois que c'est ça. Le premier mot, enfin, phrase qui a été composée, c'est ça. Et c'est pour ça que le jeu s'appelle comme ça. Et D'accord. donc, le cadavre exquis consiste à quoi? Et ben, tout simplement créer. Après, ça s'est étendu à tous les arts, et donc au dessin notamment. Et en gros, le concept, moi, je l'ai repris et je l'ai un peu, on l'a un peu, on l'a, parce qu'on l'a, c'est vraiment un groupe, quoi. On fait ça en groupe. On l'a un petit peu développé ensemble, mais en gros, nous, on fait ça sur des formats carrés maintenant. Mais le tout premier était fait sur un format allongé. Et il y a une personne qui commence à dessiner sur un thème qui a été défini par la communauté, sur un format défini. Et je prends une toute petite partie de ton dessin que je remets au suivant, qui doit continuer sur le même thème, etc. Et en fait, les autres n'ont pas vu ce que les autres ont Ouais. fait, n'ont pas vu l'entièreté. Alors, des fois, je laisse quand même l'option s'il y a des gens qui ont envie de tout voir, mais souvent, les gens jouent le jeu. Et en fait, ça crée une composition complètement surréaliste, parce qu'évidemment, le but, c'est pas forcément de faire quelque chose de cohérent. Il y a même des gens qui s'amusent, et la RAN qui participe s'amuse justement volontairement à faire un truc quand il repère quelque chose qu'il a compris, à faire un truc rien à voir, parce qu'il trouve ça marrant. Donc voilà, et le concept, c'est tout simplement de relier les gens sur fond de dessin, en fait, c'est des gens qui se connaissent pas et qui créent ensemble. Moi, je trouve ça beau, quoi. Et bon, moi, je participe pas parce que ça demande beaucoup d'organisation et j'ai déjà beaucoup de projets et ce serait beaucoup trop long pour moi. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de temps parce que je fais ça, j'essaie vraiment de m'appliquer à mettre en valeur les compositions de chacun, mais voilà.
Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais voilà, en gros, on s'amuse beaucoup. Je fais un reveal sur Twitch parce qu'évidemment, les gens n'ont pas vu les compositions. Donc, chaque premier samedi du mois, je fais un grand reveal et on dévoile chaque dessin, chaque participant qui aura donné une description, je la lis. Il y a le Zico Gazer qui s'est greffé, donc c'est le même concept, mais sur la musique. Là, par contre, je ne l'organise pas, mais on le dévoile sur ma chaîne. Et voilà. Alors, c'est que moi, Zico Gazer, j'en ai jamais vu, mais je sais que le Draw Gazer, bah, j'étais passé récemment quand tu faisais. Alors, j'ai plus le thème en tête, je crois que c'était mythologie. Ouais, le dernier thème, c'est mythologie. Le thème d'avant, c'était aquatique, et le thème en cours, c'est extraterrestre, là, en ce moment. Et franchement, j'ai hâte du reveal déjà, alors que tout n'est pas fini, parce que c'est magnifique déjà ce qu'ils ont fait. Donc, voilà. Si vous voulez voir, j'ai mis le lien du coup de l'Instagram du Draw Gazer, si vous voulez aller jeter un œil à ce qui s'est fait. On peut pas le voir, le Zico, juste l'entendre, dit Elaran. Oui, bon, après, ça. On trouvera un moyen à un moment. Voilà. Alors, juste l'Instagram, vous n'aurez pas les dernières éditions parce que je l'ai mis en route il n'y a pas longtemps. Et évidemment, je ne vais pas tout poster d'un coup parce que c'est un an et demi de Draw Gazer. Donc, je suis en train de rattraper et je suis à peine à l'année dernière, enfin à la fin de l'année dernière. Donc, j'ai pas toute cette année n'a pas été postée, mais vous avez un Google Doc. Si vous suivez le lien d'Instagram, vous avez toutes les infos si vous voulez voir toute la galerie. Voilà, c'est qu'il y a le Google Doc aussi, mais voilà, au moins ça vous donne une idée de ce que ça donne. Je crois qu'on a juste Nana qui avait réagi à ça. Je remonte le chat, voilà, qui dit j'ai une version de l'extrême par mon grand-père de cœur, peintre du surréalisme. Les Zilo Molo, c'est le même concept mais par syllabe. Ah, nice. Oui. Oh, sympa ça. Et ben voilà, un nouveau concept de stream sur la chaîne de Croca vient de naître. Après, moi je l'ai pas inventé, j'ai juste repris l'idée, mais c'est vrai que c'est cool. Et puis on l'a fait un peu tous ensemble, c'est vraiment la commu. Qui crée ça, en fait, c'est une synergie avec les participants et c'est chouette, quoi. Ça, là, pour le coup, je suis très contente d'avoir pu instaurer ça. En fait, je suis même étonnée que ça n'ait pas été fait avant, en fait. Ouais, ça a peut-être dû être fait, en fait, peut-être pas comme ça. Je sais pas, je pense qu'il y en a d'autres qui le font, hein. Je suis peut-être pas au courant, mais c'est vrai que je suis même étonnée. Pour des moi, fois, Twitch, c'est ça. Hein. C'est, voilà, ouais, c'est, en fait, tu as l'idée qui existe déjà. Effectivement, on amène des concepts qui, en vrai, existent déjà par ailleurs, mais juste on les met là. Et soit ça a été fait, mais ça n'a peut-être pas forcément tenu sur la route ou quoi. Soit ça n'a pas été fait. Hein, voilà. C'est un peu des deux. Mais c'est ça que je trouve bien, c'est que quand tu le dis, tu mentionnes, je veux rebondir un peu sur l'idée de commu. Moi, c'est un des trucs qui m'avait marqué en arrivant chez toi. La première fois, du coup, hein. C'est le fait que, t'as... Oh la vache, le tonnerre, il est à fond. Là. Mais je crois qu'on doit pas être loin, parce que moi, ça commence à arriver chez moi aussi, donc je sais pas où t'es, mais... Croca, c'est ma voisine. Elle est à un étage en dessous, du coup, j'arrive. C'est ça. T'imagines ? Attends, tu rigoles, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui streament dans mon immeuble. Ah bah, ce serait... C'était vraiment... Moi, je vais fermer ma fenêtre, par contre, parce que là, ça commence à péter fort. Et je me dis, vous allez juste avoir un micro qui pète. Ça sert à rien. Voilà, on laisse que la fenêtre du fond ouvrir. Mais ça serait incroyable. Mais ce serait relativement incroyable. Mais en vrai, c'est possible. Hein. On sait qu'on est dans la même région. On est l'Île-de-France tous les deux. C'est pour ça. Je pense que ça va pas tarder à arriver chez moi. On n'est pas exactement au même endroit. Sinon, ça peut être réparé. Je suis dans le coin d'Ivry. Donc après, tu vois. Si. Attends, regarde. Non, mais c'est ouf. Regardez par la fenêtre, pas c'est moi qui fais coucou. Vous n'entendez pas là? Non. Ah, moi j'ai mon orage. Enfin, là ça tombe pas. Je vais laisser ouvrir juste pour qu'on rigole parce que c'est quand même fort. C'est quand même fort. J'ai un écho. On n'est pas très très loin. Hein. On entend le tonnerre en double. Ah, j'ai peut-être baissé légèrement. Ça peut, je sais pas. Bien. Non, je pense qu'il dit ça pour rigoler parce qu'il y a chez toi et chez moi. Elaran, arrête. Fais chier là-haut. C'est ça. Oui, non, mais il y a moyen qu'on soit. Ouais. C'est ça, je te dis, ça se trouve, t'habites trois rues de chez moi, on s'est juste jamais vu. Ah, si t'es à Ivry, non, je sais plus où c'est Ivry. Bon, bref, peu importe. Bref. Parce que oui, du coup, avant de parler de... Oui, la commu. Avant de parler de l'orage, la commu, moi, c'est un des trucs qui m'a frappé, parce que j'ai pas l'impression que ce soit si commun, surtout chez les... On va dire, quand je dis les petits streamers, alors c'est pas insultant, c'est genre les personnes qui sont peut-être moins de 100, 200 viewers, voilà. C'est en fait, t'as une commune qui est assez forte. C'est-à-dire que t'as un truc vraiment, t'as rassemblé pas mal de gens qui ont l'air de venir très régulièrement pour leur rendez-vous du stream avec Croca, mais qui en plus a un autre truc, et que là par contre je vois beaucoup moins sur Twitch et que je trouve cool, c'est une commune qui a l'air très bienveillante.
C'est-à-dire que toutes les fois où je suis passé, en tout cas, j'ai jamais vu de trucs un peu, on va dire, déplacés, ou enfin, tu vois, très relou et tout. Ou, en fait, en tout cas, enfin, ça n'a pas trop la place chez toi. Alors peut-être que je dis une énorme connerie, du coup, Non. parce que je viens pas assez. Et Non, toi? je te rejoins un peu, mais pour moi, c'est. Alors, déjà, j'ai des modérateurs assez sévères. Enfin, notamment un qui s'appelle Romain Luc, en vrai. Mais ça, voilà, parce que Lucky Luke, quoi. Genre, il voit un Oui. truc, ça part direct. Donc, généralement, ouais, les gens malveillants restent pas, voilà, tu vois. Donc, ouais, non, ça, c'est un truc. Voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens qui sont là pour foutre le bazar, et j'ai pas que ça à faire. Je suis pas là pour gérer ça, et voilà, j'estime qu'à un moment donné, même si la communauté Twitch est assez jeune, bah voilà, donc les consignes, ils les connaissent, hein, les modérateurs. Si ça commence à... On peut quand même, voilà, essayer d'éduquer de temps en temps, mais enfin, quand ça part direct trop loin, c'est pas la peine, quoi. Oui. Voilà, les gens qui arrivent en disant salut bébé ou je sais pas quoi. C'est quoi la dernière date là? Je sais plus. Je lui ai fait une petite réflexion et puis bon, il n'a pas continué. Je crois qu'il a même pas eu de ban. Mais voilà, dès que c'est un peu trop. Bah moi, voilà, Putain, je suis attends, pas très attends tolérante. juste. Excuse-moi, j'ai croisé les Ouais, bras, j'ai fait le malin, mais ça a débranché du coup. Je casse? je vais Non, fermer. c'est bon. C'est bon. Mais en Mais fait, je en fait, pense non. surtout Surtout que. que. Ah, Je pardon, sais. je sais. Je vais Ah oui, juste te pardon. couper parce que non, mais c'est problème petit. Là, c'est juste problème technique. C'est quand tu parles, ça sort des enceintes de mon PC. Ce qui n'est pas du tout le but parce que du coup, le son doit être assez dégueu. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Vas-y, pardon. Voilà. Excuse-moi, Oui, tu peux y non. aller. Bon, déjà, il y a le fait que, bah, ouais, je pense que la modération est assez intransigeante sur les gens qui sont dans le chat, mais aussi, je sais pas, là où j'explique pas trop, mais parce que j'ai pas trop réfléchi à la question, et puis voilà, mais c'est vrai que les gens qui sont dans la commune, bah, on a un noyau assez soudé, les gens sont très bienveillants, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Après, pourquoi, comment, je sais pas. Peut-être que le noyau dur qui est arrivé au début créer ça aussi, tu vois, c'est aussi les gens qui sont là et ce que ça peut inspirer, et puis des gens qui sont pas bienveillants, en fait, au final, ils trouvent pas leur place, en fait, quand tu as déjà un noyau dur bienveillant, tu vois. Et du coup, ouais, et puis avec mon frère, donc parce que moi je partage mon Discord avec mon frère, au début c'était pas comme ça, en fait, on avait deux types de communes un peu différentes, c'est vrai que ça se mélangeait pas forcément toujours très bien, sans pour autant que l'une ou l'autre soit mauvaise, hein, mais c'est juste que, et à un moment donné, on a réussi à trouver un moyen pour faire en sorte que, voilà, ça concorde, en fait, l'esprit de nos deux chaînes concorde, et en fait, depuis, c'est vraiment cool, enfin, on se sent à l'aise, parce que c'est vrai que nous, moi, je partage mon Discord avec quelqu'un d'autre, mon frère, en l'occurrence, et ça, c'est pas toujours commun. On l'a Ben non, même c'est ça, partagé ouais. à quatre streamers à un moment donné. Ouais. Donc du coup, c'est. Mais on est très bien comme ça. Voilà, c'est familial. C'est vraiment à l'image de ce qu'on veut de nos chaînes aussi. C'est fa familial, bonne franquette, bonne entente. Voilà. Et puis après, Twitch aussi, ça forme. C'est-à-dire que des fois, tu sais, t'oses pas dire les choses. Mais en fait, quand t'es streamer, au bout d'un moment, t'es obligé, en fait. Et ça te met dans des positions qui sont pas confortables quand t'as pas l'habitude. Tu vois, je sais pas, d'hausser le ton ou Oui. de dire, de poser des limites, en fait, quand ça te plaît pas. Et je trouve que c'est pas facile. Mais moi, Twitch, sur plein d'aspects, ça m'a appris énormément, en fait. Et vraiment, je regrette pas du tout. Voilà, maintenant c'est parce que ça m'a fait grandir sur un tas de points. Mais ouais, niveau communauté, j'ai beaucoup de chance, c'est vrai. Et ouais, je remercierai jamais assez les gens qui sont là et les gens que j'ai pu rencontrer et beaucoup de gens qui sont là dans le chat que je salue. Ben oui, non mais c'est vrai, Avec hein, qui c'est j'échange très souvent dans le Discord. On échange énormément par exemple, Wood, forcément mes modérateurs, Elaran, Romain, Luciole, Wood, Fumeur, Akenash. Il y en a pas mal qui sont là régulièrement, et donc voilà, ça crée des liens, ça crée aussi. Puis on apprend à se connaître aussi, à savoir quelles sont les limites de chacun. Et c'est chouette. Enfin, ouais, voilà. ben oui, non mais C'est, oui, mais ouais. totalement, hein. Ben, je Enfin, vois pour ça moi, ça me clairement. semble normal. Mais effectivement, c'est peut-être pas le cas partout. Je ne suis pas sur les autres Discord, donc je ne peux pas dire. C'est Ouais, dur ouais, ouais. de savoir. Ou même sur les autres communautés, je vois. J'ai pas l'impression que sur les autres communautés, moi, il y a plein d'endroits où je vais où c'est bienveillant. J'ai pas l'impression que ce soit malveillant. Après, j'ai peut-être moins de trolls, j'en sais rien, j'ai pas l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez pour les gens Bah, en tout qui cas, sont tout le sur la monde même t'envoie plein plateforme. de cœurs, de petits Oh, c'est bonhommes. gentil. Ouais, je suis désolé, hein, j'ai désactivé l'emote wall parce que quand il y a les invités, sinon ça pollue un peu Ouais. trop l'image, donc ça peut être compliqué pour certaines personnes.
de lire sur les lèvres des trucs comme ça. Mais voilà, effectivement, ça t'envoie du lock. Alors, Alors vous êtes après, gentil. effectivement, oui, comme tu dis, c'est vrai qu'on est peut-être aussi sûrement dans nos bulles aussi, où, Ouais. sans que ce soit forcément un truc de base, la bienveillance, on va dire, enfin, on le met pas en avant. C'est quelque chose peut-être, en tout cas, ça fait partie des valeurs qu'on a et qu'on aime bien avoir bah, sur les contenus qu'on crée. Donc là, en l'occurrence, sur nos chaînes Twitch. Ça va l'orage? J'aime bien la SMR orage perso, mais vraiment. Super soirée. Non, par contre, vraiment, ouais, alors toi, ça va, du coup, je vois, mais ouais, dans le chat, vous dites si vraiment c'est la merde. Je prends 2 secondes, je vais me lever, je vais fermer la fenêtre, quoi. On l'a bien Non, ça entendu, va. ouais. Là, toi, normalement, ça va avec le micro, mais c'est vrai que Ouais. je. Par Bon. contre, je viens de penser à un truc, c'est que la fenêtre est grande ouverte dans la cuisine. Je vais quand même vérifier parce que s'il Ah pleut, bah, ça allez, claque. vas-y. Je me dépêche. Moi, je m'occupe de tenir les gens. Écoutez, est-ce que vous voulez une imitation de Jacques Chirac en attendant, par exemple? Qu'un problème pour moi. Eh bien, tant mieux. Tant mieux parce que je pense que ça va être guerre. Mais je pense que je vais pas tarder à faire pareil que Croca, en vrai. Je vais sûrement aller au fond, fermer. Oh, par contre, il fait frais dans la cuisine du coup. Oh là là, ça donne envie d'ouvrir en grand là. Excuse-moi, t'as une cuisine, moi la cuisine, c'est mon salon, ma chambre. Oui, alors non. Alors non, moi c'est ma chambre et mon salon, c'est la même chose. Ah. Et j'ai quand même une cuisine. Oui, ah bah c'est ça. Enfin, c'est soit, tu vois, Ah, t'as une cuisine séparée, soit tu as bah une voilà. cuisine salon et une chambre, soit tu as une chambre salon, une cuisine Voilà. séparée. Bon, voilà. Parce que j'ai pas Et très grand, hein. Moi je suis dans 28 mètres carrés à peine. Donc, qui est aussi une cuisine douche, du coup, avec la cabine de douche. Au milieu, vous connaissez pas Paris. Vous pouvez Bienvenue en pas. Voilà. Île-de-France, voilà, Voilà, c'est ça. c'est un truc que Tout j'ai ça pour la vraiment. maudite somme de 900 euros et de Par mois, poussière. seulement, avec Non, 20 euros moi. d'APL. Ouais, voilà, c'est ça. Je viens de repérer que le sous-titre auto reconnaît croquin ou coquin. Oui, pour les pseudos, bah oui, ça marche pas super bien. Bon, bah, voilà. On C'est n'est pas pas là pour. grave. Voilà, ça arrive, on fait au mieux, c'est pas. Voilà. Et par contre, on a, je crois, Luciole qui écrit Ouais. personnellement, quand je suis arrivé sur ta chaîne croquin, Ah ouais, mais ça, c'est on joue surtout plus l'accueil souvent. aussi qui m'avait surprise. Tout le monde était adorable et super accueillant, et ce n'est pas le cas partout. Donc, je comprends ceux qui arrivent sur le live et qui parfois en font la remarque. Et en vrai, bah justement, c'est ça. C'est un peu ça, moi, que j'ai ressenti. Alors, c'est vrai que moi, voilà, je fais partie de ces gens, bon, déjà qui stream moins que toi, clairement, mais qui aussi, bah, du coup, quand ils ont du temps libre, ne vont pas trop sur les chaînes des autres, parce que justement, on a pas envie. Enfin, moi, je sais que j'ai pas envie d'être sur Twitch quand je stream pas, parce que c'est un peu. C'est beaucoup de temps qu'on Bah, peut c'est passer du dessus. temps, ouais. Voilà. Mais tu sais, je pense qu'on est tous comme ça, hein. C'est dur d'aller chez tout le monde. Enfin, c'est pas Voilà. possible à un moment. J'ai Je l'impression. comprends, enfin, c'est Et dur. mais en fait, les rares moments où justement, bah voilà, soit je raide des gens, soit je passe parce que bah là, j'étais en vacances, tu vois, le matin au petit-déj, ça m'arrive de l'orage toujours. Pas Mais grave, attends. t'inquiète. Ça m'arrive donc voilà, de traîner sur une chaîne, de regarder souvent en lurk, hein, justement. Je sais que le matin, bah, c'est plus Teliam, du coup, que j'avais découvert aussi grâce à toi, voilà, qui stream, et Ouais. c'est des trucs comme ça. Et en fait, bah, si en fait pour moi ça me frappe, parce que même en étant dans ma bulle, il y a des moments où quand je raid, je demande aux viewers, je dis bah voilà, qu'est-ce que vous voulez? Et je me rappelle d'une expérience qui moi m'avait pas traumatisé, parce que ce serait un gros mot, mais pour la situation, mais où moi je suis un gros joueur des jeux FromSoft, donc Dark Souls, Bloodborne, etc. Et OK. je streamais Dark Souls. Et j'étais très OK. content de enfin pouvoir streamer Dark Souls, parce que j'adorais ce Ouais. jeu. Et on me dit, bah tiens, n'hésite pas à raid machin, c'est un joueur FromSoft qui fait genre Elden Ring ou Ring Fit et tout. Ok. Et le mec, par contre, streamer adorable, j'ai oublié son nom, mais voilà, vraiment très gentil, qui m'a donné plein de conseils pour finir le jeu, pour continuer et tout. Sa commu m'a littéralement insulté en 2 secondes dans le Ah ouais. chat, parce que bah, j'arrivais pas à finir Dark Souls et parce que j'avais pas joué comme il fallait. Voilà. Waouh. Et en Ah fait, moi, ouais, j'en c'est avais chaud quand même. gardé, j'avais MP le streamer qui m'avait dit, bah je suis désolé pour ça, mais voilà, en vrai. Tu peux tester ça dans le jeu et puis tu verras ce que ça donne et tu me tiens au courant. Et vraiment, lui, adorable. Et ça m'a laissé une expérience très amère des raids, ce qui fait que je raid de moins en moins, d'ailleurs. Voilà. Et j'ai eu 2, 3 expériences un peu comme ça, voilà, où. Bon, là, je m'étais quand même vraiment fait insulter. D'autres, Ah ouais, c'est c'était, voilà, quand même. plus Ouais, juste sur. voilà, des commentaires désagréables. Et toi, tu te dis, bah, moi, en fait, je raid juste parce que je veux que les gens découvrent un ou une streameuse. Bah, tu vois? Et je pense que ça vraiment c'est mais bah, mine pour moi ça a l'air d'être assez rare en fait donc, je pense que tu peux te féliciter d'avoir une commu comme ça en fait d'avoir construit un truc comme ça quoi. J'ai pas grand chose à me féliciter en fait. C'est les gens qui sont dans le chat qui sont comme ça. Moi j'ai rien fait en fait. C'est juste que les gens, la commu se crée aussi et oh, c'est clair autour d'un streamer et de ce qu'il peut proposer. Mais c'est pas moi qui vais créer la bienveillance chez les autres. Enfin, je veux dire, c'est eux, ils sont là, ils sont bienveillants et voilà.
Peut-être que mon contenu attire ces gens-là, ou peut-être que j'ai eu de la chance aussi et qu'il y a des gens qui sont venus d'autres communes bienveillantes et qui se sont retrouvés, et puis ça crée une synergie et finalement une certaine force, quoi. Et après, il faut savoir aussi relever ces trucs-là, je pense, quand on est streamer. C'est-à-dire, je sais pas. J'ai pas forcément, moi j'ai pas fait exprès de faire ça, tu vois. Je me dis pas, ah, cette personne est bienveillante, je vais insister, je vais parler plus avec cette personne. Non, c'est juste, ça se fait naturellement. À un moment donné, tu as envie de discuter avec des gens comme ça. Enfin, moi en tout cas. Après, je sais pas sur les autres communes, parce que les autres communes, peut-être ce streamer là, les gens qui vont chez lui vont voir du skill, et c'est des gens qui n'acceptent pas les gens qui sont pas skillés. Il se retrouve avec une commu qui est un peu et en même temps, tu vois, quand t'es streamer, tu fais quoi? Tu les rejettes. Par contre, ce qu'il aurait dû faire, je sais pas ce qu'il a fait, c'est selon moi, c'est, je trouve que moi j'accepte que personne n'insulte personne dans mon chat. Genre, tes viewers chez moi, t'insultes pas les gens, ça va pas ou quoi? Ça, j'ai pas souvenir de ce qu'il avait fait et tout, parce que j'avais voilà. Pour le coup, pour moi, c'est une erreur, je pense. Après, voilà, évidemment, chaque streamer gère son chat comme il l'entend. Mais pour moi, c'est pour ça que je disais, à un moment donné, tu apprends aussi, à mon avis, à poser des limites. Alors, il y en a qui ne le font pas, et c'est leur choix. Mais je pense que quand tu as envie que ça se passe bien, c'est aussi... et c'est pas facile. C'est pas facile de prendre une position que tu n'as pas envie de prendre. Vraiment, moi, c'est un truc, ça me rend inconfortable, j'aime pas ça. Mais à un moment donné, j'ai pas envie, je préfère me brouiller avec des gens malveillants et rester avec une commu peut-être plus petite, mais au moins où on se sent bien, quoi. Parce que, enfin voilà, moi je suis pas là pour, je suis pas là pour souffrir, ok. Mais vivre non plus. Donc regardez. Voilà. Viens le chat, viens dire ça. Non, elle veut pas. Elle s'est accrochée. Regardez, voilà. Oui, voilà, plein de mignonneries, c'est parfait. On n'est pas là pour souffrir. Elle a absolument pas voulu venir dans mes bras. Elle s'est accrochée. Non, elle a pas. Oui, non, bébé, ça va. Elle. Ah putain, du coup, elle a redébranché le câble. Attends, voilà, descends. Voilà, oh putain. J'en peux plus. Non mais oui, en vrai, hors blague, effectivement, je pense qu'il y a de ça. Non mais c'est vrai, quoi. Non. Et c'est vrai que c'est... Enfin, je rebondis un peu voilà, là-dessus, sur la fin de ce que tu as dit, effectivement, quitte à... En gros, c'est un peu quitte à avoir une plus petite commu, mais une commu plus safe, en tout cas, selon nous. Moi, je préfère. On préfère se brouiller avec des gens. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que je sens. Enfin, je sens. D'un seul coup là je me mets oui moi je sens des trucs non, en tout cas que j'ai vu plutôt là on va parler d'expérience personnelle enfin c'est un peu ce qu'on fait là où je sais que moi suite au confinement j'ai des potes qui enfin comme tous les potes en fait à la fin du confinement nous on s'est tous lancés sur Twitch on était un groupe de gens à tous se lancer en même temps certains qui commencent à en vivre et tout et c'est vrai que moi j'ai eu la chance en tout cas j'ai vu les deux extrêmes de une personne qui a complètement abandonné son taf qui pour vivre de Twitch, voilà, pour tenter le truc, en sachant très bien qu'elle n'en vivrait pas les premiers mois, voilà, que ce serait chômage, galère, on connaît, on ne va pas refaire tout un historique. Et une autre, pareil, qui avait un peu tout abandonné, mais par contre, la différence entre les deux, effectivement, et c'est moi ce qui m'avait frappé, et ça fait partie des trucs qui ne me donnent pas trop envie de percer sur Twitch un jour, c'est que tu avais celui qui effectivement... Sans en parler, voilà. On parle là-dessus après, parce que justement, en gros, tu avais vraiment la personne qui avait juste tout abandonné, mais sans vraiment avoir de plan ou quoi, et qui s'était lancé comme ça à l'aveugle. Bah, évidemment, clairement, ça ne marchait pas. Enfin, au bout de 6 ou 7 mois, on voyait les résultats et on était là, genre, bon, ça n'a pas l'air de marcher. Voilà, c'est très peu de subs, c'est très peu de bits, c'est rien à côté. Donc, ça sent le truc qui n'est pas viable sur le long terme. Mais par contre, lui, du coup, faisait des compromis avec tout le monde dans le chat, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'on disait dans le chat, il acceptait. Enfin, ouais, c'est ça. Vraiment les trucs très, tu finis par accepter tout et n'importe quoi. Très extrême, mais moi, des fois, je passais sur son stream et j'étais genre, ah, c'est pas ouf. Mais bon, c'est peut-être que mon avis est. C'est peut-être mon prisme et tout. Et de l'autre côté. Peut-être cette que lui, ça lui convenait. Ouais. Et t'as l'autre qui s'est lancé et tout, et en fait, qui est peut-être pas forcément mieux à mon sens, où, en fait, il a été un peu intransigeant sur certains trucs, à dire, voilà, il y a des trucs que je tolère pas. Mais d'un autre côté, en fait, quand tu vois effectivement avec qui il stream, avec qui il est, etc., c'est des gens qui peuvent avoir des communautés peut-être vachement plus moins safe là-dedans. Ouais. Donc, il y a tout ce mélange-là. Et on sait aussi, on en avait parlé, et c'est vrai qu'il m'avait dit aussi, c'est vrai que je fais ça aussi pour pouvoir en vivre derrière. Donc, je ne sais pas, en fait, où est-ce que tu as un juste milieu là-dedans, même si c'est peut-être au final ce que tu dis, de dire, quitte à se brouiller avec des gens, autant le faire. Mais en fait, on sait que la contrepartie, c'est que Twitch, ça restera toujours un à côté, quoi.
ce qui est pas grave. Mais... Ah oui. Enfin, moi, de toute façon, en fait, je trouve ça très particulier. Twitch, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps. En fait, au départ, moi, j'ai commencé Twitch en mode, je vais m'amuser, ça va être cool. C'est du fun. C'est voilà, point. Tu vois, il n'y avait pas de je vais en vivre. Moi, je me lance sur Twitch pour en vivre. Déjà, je n'avais même pas pensé à ça, vraiment. Je savais qu'il y avait tu pouvais avoir des subs et tout ça, mais tu te rends pas compte en fait de ce que... Et au départ, c'est tu crois pas à ça. Enfin, moi personnellement, alors je suis peut-être naïve, mais déjà je connaissais pas beaucoup Twitch avant de m'y lancer, donc j'avais pas conscience vraiment de tout ce que ça pouvait impacter. Voilà, le chat, la gestion d'un chat, enfin, bref, tout en fait. Et en fait, le truc, c'est que ce que je trouve très vicieux avec Twitch, c'est qu'avec les mails, avec l'ambiance générale, même ce qui est véhiculé des fois dans les chats par rapport aux subs, les petites blagues autour des subs, ben en fait, ça te met dans un. Tu peux très vite tomber, je pense que tout le monde y tombe, dans un truc un peu pervers où tu vas essayer justement de grandir forcément, mais sans même des fois savoir pourquoi. Enfin, c'est ça le pire en fait, c'est que je me rends compte 2 ans et demi après, en fait c'est au bout de 2 ans que je me suis dit, mais en fait pourquoi tu streames quoi? Parce C'est que au ça. bout d'un moment tu finis par stresser pour des trucs à la con. J'étais pas forcément obsédée des stats moi, contrairement à d'autres, même si forcément ça c'était important et des fois ça pouvait miner, mais j'étais pas obsédée non plus, tu vois, j'allais pas tout le temps sur mon tableau de bord, j'ai très vite arrêté de faire ça. Attends, est-ce que je peux juste me permettre une parenthèse? Parce que tu parles de stats, tu as l'air d'aller sur des points super intéressants, il n'y a pas de Ouais. souci, mais j'ai peur qu'après ça aille trop loin. Ouais, bien Ça me fait sûr. penser à quand on devient affilié. Je sais Ouais, pas si tu as eu ce quand on devient. sentiment, et c'est un truc que tu as senti quand tu discutais avec des gens, genre. Comme tu dis, on regarde pas les stats, ou faut pas regarder les stats, faut pas se miner et tout Ouais. machin. Mais en fait, avant d'être affilié, avant d'avoir, entre gros guillemets, un intérêt à aller sur Twitch, t'es quand même là à regarder tes stats. Parce que si tu suis pas les stats, t'es pas affilié. Je sais pas si t'as eu ce sentiment-là quand Si, tu. si, si. Si? Bah, en fait, je trouve que en fait, le Twitch et l'univers de Twitch t'emmènent sur ça, en fait. Alors que t'as pas forcément envie au départ. Tu vois, c'est ça que je voulais Ouais. dire au début. Ah bah Et oui, ça c'est. en fait, on a tendance à oublier pourquoi on stream. Et je pense qu'il y a des gens qui se perdent là-dedans. Et je le dis même pour moi, des fois. Parce que on oublie très vite, en fait. C'est con. Enfin, il faut vachement se recentrer. Maintenant, je dirais que je pense que je tomberai moins dedans. Mais par moments, ça peut arriver. Mais maintenant, je regarde plus du tout. Et je sais que je me suis recentrée sur c'est pourquoi je suis là, en fait. Je suis pas là pour. Et justement, je rejoins ce que tu disais. Enfin, moi, franchement, je pense que ça ne me plairait pas d'être. Alors, je ne sais pas hein, si ça m'arrive, je ne sais pas ce que je ferais, mais je pense pas que ce soit le cas. Mais si jamais, admettons, tu perces sur Twitch, tu vois, enfin, moi, je pense que ça ne me plairait pas. Et j'avais expliqué pourquoi en live, en fait. Quand tu réfléchis bien, tu perds une certaine liberté, tu perds cette espèce de. Moi, c'est surtout ce qui me fait peur, c'est de perdre cette espèce de communauté qu'on a, justement. Cette proximité que j'ai avec les gens aujourd'hui. Tu vois, moi, le vendredi soir, on fait un vocal et je tchatche avec n'importe qui. Enfin, n'importe qui peut venir, en fait. Enfin, bon, après, évidemment, Oui, il y a non quand même mais de la c'est. modération, mais il n'y a jamais de Oui, problème. d'accord. Et en fait, c'est des gens du chat qui peuvent venir et je trouve ça chouette, tu vois, ça. Mais quand tu es connu, c'est mort, tu peux plus faire ça. T'as Ah non. plus. Et en plus, après, les gens vont peut-être venir te parler par intérêt. Tu vois, ça, tu rentres dans un truc où, en plus, des fois, tu vas être obligé de faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Je sais pas. Ouais, et puis voilà. Et puis, pour rebondir très rapidement, parce que vraiment, je fais dans les grandes lignes, mais quand tu disais tout à l'heure que, bah, en fait, quand tu es sur Twitch, tu vois, tu es obligé d'accepter. Enfin, dans tes potes, tu avais des gens qui acceptaient des trucs qu'ils n'avaient pas forcément envie parce qu'ils voulaient grandir. Bah ouais, c'est triste. D'un côté, je comprends, et en même temps, c'est triste. Et d'un autre côté, une erreur, à mon avis, de leur part, et en même temps, dans laquelle tout le monde peut tomber, c'est de compter que sur ça. De toute façon, tous les gros streamers, tous les youtubeurs te le disent, ceux qui ont de l'expérience te disent, mais ne comptez pas sur un. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Déjà, c'est Twitch, quoi. C'est hyper Niche, bancal, quoi. Enfin, je veux dire, du jour au lendemain, la plateforme, elle peut fermer. Bon, j'exagère, ça se passera pas comme ça, mais je veux dire, t'as pas de CDI, quoi. Enfin, tu vois. On peut Et avoir c'est t'as l'exemple con ça? des subs qui ont baissé de prix l'année Ah bah dernière, ouais, quoi. bah alors là, Quand oui. on est à un petit niveau, on Oh. sent la différence, mais pas trop, mais on la Ah sent, ouais, mais voilà. alors les gens qui devaient. Ouais, ça a dû faire très mal. Pour les Ça gens fait qui un étaient trou. juste. Voilà, pour les gens qui étaient justes, et Ah. puis je pense que même pour les gens qui étaient pas justes, bah, ça leur a peut-être amené à revoir leur compta. Enfin, je pense là, tu vois, de tête à un Ponce ou quoi, par exemple. Ponce, je pense qu'il gagne très bien sa vie, ça y est, pas de Oui. souci. Mais bah, effectivement, quand tu vois la quantité de subs qu'il a et que tu fais la soustraction, ouais, tu as peut-être du 2000, 3000 euros de perte, et Ah ouais, ça arrive comme ça un c'est pas rien peu, en fait, hein, voilà, dans c'est un ça. train de vie. Voilà, sans prévenir, et tu te dis, ok, j'ai 1000 balles de moins pour mes projets, pour ma vie, pour machin. Bon, toi, tu l'as senti aussi, je pense, peut-être, parce que tu as quand même pas mal de subs ou de sub gift et tout. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas trop eu, donc en vrai, Alors moi, c'était ça a allé. été divisé par 3. Hein. Donc, Ouais.
Vous voyez, à cause de Twitch, Croca est pauvre, et ça, on Non. ne dit pas assez. Non, non, évidemment. Oh, je Tiens, d'ailleurs, pardon, je vois Luciole qui rebondit sur le vendredi soir, qui dit le vendredi soir, c'est que des super moments partagés qui ne seraient pas possibles si on avait une commu plus Ah non. importante, nous. Bah, ce serait possible, mais en VIP, et finalement, on serait qu'entre nous. En fait, c'est ça. Voilà, C'est qu'on il n'aurait faudrait plus des... cette ouverture qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Oui, Parce que il faudrait les des gens moments, dans ils la seraient toujours commu. là, Luciole, en vrai. Parce qu'on continuerait de Ouais. faire nos parties avec les gens que je connais déjà d'avant. C'est Mais ça, mais si voilà, jamais ça ce grandissait trop, serait... c'est infernal. C'est Enfin, un je veux truc dire, qui à finit par gérer. être pour les potes ou qui finit par être des fois, c'est ça, c'est avec un paywall aussi, genre si t'es sub, tu peux, enfin, Oui, c'est peut-être voilà. pas Enfin, forcément c'est autre toujours très chose. sain et tout. Ouais, c'est ça. C'est autre Donc, chose. ouais. Ouais. Et la reine qui dit, les grands du streaming tirent plus de revenus par les sponsoring. Alors oui, bah, ce qu'on disait, enfin ce que tu disais, ne pas tout mettre dans le même panier, c'est le principe justement de, enfin quand tu perds, mais que ce soit Twitch, YouTube ou autre. Faut pas tout miser sur un seul truc, à moins vraiment de taper des millions, mais alors je pense qu'ils sont pas très nombreux. Mais même en fait, même Voilà, mais eux, même même ces ça, bon. gens-là, ils diversifient parce qu'ils savent, parce que c'est Tu. des, parce que forcément, l'argent appelle l'argent dans le sens où je Voilà. pense que quand tu as de l'argent, à moins de te contenter d'un seul truc, souvent tu as des projets, tu crées d'autres choses et tu as besoin, comme tu disais, même C'est Ponce ça. qui gagne bien sa vie, peut-être qu'il investit dans des choses et donc du Bah, il coup, fait cette des perte, trucs elle est cons, importante, tu vois. par Oui, exemple. voilà. C'est tout con, et Voilà, et honnêtement, voilà. c'est Si ça. son Twitch s'arrête, il a une marque de vêtements qui lui permet de tenir et il Voilà. organise pas mal d'autres trucs et tout et Oui, effectivement il a voilà, c'est les ça. sponsorings qui font que voilà plus il C'est a ça. c'est le truc bête il a une chaîne YouTube de VOD une chaîne de best-of bah rien que ça C'est suffit ça. c'est t'en vis pas mais même quand tu fais voilà 2-3 millions de vues C'est par ça. mois Ça permet de voir venir, en tout cas. Et voilà je pense que donc dans ce genre de métier, de toute façon, tous, Zerator le dit, Mister MV en a déjà parlé aussi. Tu as plein de youtubeurs, même américains, des gros youtubeurs qui disent, mais n'arrêtez pas vos boulots avec si vous êtes tout juste. Non, vous Ah oui. continuez jusqu'à Non, être. Et puis, il faut. Ouais, je pense que c'est. Moi, Même je si on t'avoue. aimerait bien, hein, ça fait rêver et tout ça, tout ce que tu veux, parce que tu es chez toi, tu fais ce Ah que tu oui. veux, et Et encore, si tu alors, réfléchis oui. bien, et On encore. va en parler, même si tu veux après, même juste ça. Mais même, je voudrais rebondir. Enfin, rebondir. À chaque fois, je dis ça. Je fais vraiment, tu sais, l'inter. Écoutez, c'est Jean-Philippe Delahousse ce soir. Voilà. Oui, comme tu dis, il y a même aussi. Il y a un truc, moi, enfin, que j'aimerais dire. Après, peut-être que tu vas me dire que je dis. Une énorme merde, et donc du coup, vas-y, go, corrige-moi, mais je suis pas sûr, pour le coup. Ouais. J'ai la certitude des mecs, tu vois, on dit un truc, on sait pas, Oh, on n'est pas qualifié pour ça, mais on a tous nos certitudes, hein, tu sais. mais voilà, Le tout, c'est on de est les sûr. moduler et d'écouter les autres et de faire évoluer nos certitudes, je sais. On est sur une chaîne où on peut tailler les mecs, il n'y a pas de souci, si, si, on peut y aller. Non, c'est le côté, ne faites pas passer Twitch avant tout, encore plus quand vous démarrez. Enfin, alors même je vais le dire, surtout même pour les gens qui sont à mon stade, parce que moi mon stade, hein, pour donner une idée, c'est de 3 à 7 viewers en moyenne. On est vraiment sur une chaîne qui est toute petite, qui me convient très bien, hein, il n'y a pas de souci, mais moi je sais que quand j'ai commencé, j'ai un boulot qui fait que je ne peux pas avoir de planning régulier. Des fois je bosse le matin, des fois je bosse le soir, des fois je bosse le week-end, machin. Donc c'est impossible pour moi de le tenir. Mais je voulais le tenir. Et donc je le tenais au jour et pas à l'heure, ce qui fait que des fois je finissais à 21h30, j'arrivais chez moi à 22h. Et tu Qu'est-ce que faisais je fais? un live à ce moment-là? Jusqu'à 3h du mat. Ah non, mais c'était Ah, moi au l'enfer. début, je faisais la Voilà. con aussi. Hein. Et je faisais ça. Et surtout, je tenais des fois jusqu'à tard. Pourquoi? Parce que bah, je savais qu'il y avait, bah, il y avait toi, il y avait Nananer et Kill, enfin un peu tout le monde à l'époque que je connaissais via des raids comme ça. Où je me disais, mais c'était horrible, hein, mais je me disais, si je tiens jusqu'à 1h, j'ai une petite chance que machin me raid. Voilà. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et ça Ah, mais vaut pas le coup. Ça ça vaut pas le c'est. coup du Bah, en tout. fait, c'est surtout que je Enfin, pense que les raids, voilà. ouais. En fait, on a tous pensé comme ça à un moment Voilà. donné, ne serait-ce qu'au moins une fois. Et moi, c'était plus, j'avais envie de streamer longtemps. Et enfin, je streamais trop, quoi. Moi, je streamais tous les jours, 5 heures par jour, des fois jusqu'à, enfin, avec un boulot. Enfin, je veux dire, 5 c'est heures par n'importe jour, quoi. c'est bah sur 7 sur 7, vous avez 35 heures. Voilà. Ah, mais moi, je dépassais les 35 heures, je pense, Oui. ouais. Mais ouais, mais grave. Par contre, j'ai très vite arrêté parce que je me ruinais la santé, j'étais fatiguée. Et surtout, bah, par contre, Twitch te le fait payer, ça. Moi, le fait Clairement. d'avoir réduit mes horaires et réduit mes jours, ah bah, je vois la différence quand même. Hein. Donc, enfin, je l'ai vu, en tout cas, au moment où je l'ai fait. Maintenant, je ne regarde plus, donc je ne sais pas. Mais je l'ai vu au moment où je l'ai fait. Quand j'ai baissé d'un jour et que j'ai réduit à 2-3 heures de live par jour, parfois, mais laisse tomber, tu te fais. En fait, Ah ils le oui. voient hein, que Bah. statistiquement tu baisses et donc du Elle coup voit. ils te mettent plus en C'est ça. avant. Enfin, je pense, hein, j'ai pas vérifié, j'en sais rien, mais enfin, ça se sent quoi. Mais Bon, c'est bah, pas bon, grave, je. faut savoir. Je pense qu'il faut savoir ce que tu veux.
En fait, c'est ça. Et je pense que même ça impose, et moi, c'est un peu ce que j'ai rechoisi là récemment, parce que j'avais une baisse dans la volonté vraiment de stream, où je me suis dit, en fait, bah, effectivement, c'est sûr que c'est bien d'être régulier, et ça, clairement, c'est la plateforme qui te pousse à faire ça, avec les mêmes heures et tout, machin. Et en fait, quand on peut pas, quand c'est mon cas ou quand c'est le cas même d'autres personnes, bon, déjà, à nouveau, voilà, si un jour un pote vous dit, viens boire un coup, allez boire un coup, et vous décalez votre stream, voilà. Voilà, ça vous le faites. Ensuite, et Laran, d'ailleurs, je rebondirai sur ce que tu as dit, parce que je connais des gens qui se sont fait raid par Samuel, et j'ai eu des anecdotes un peu là-dedans. Mais aussi, en fait, faites surtout ce qui vous plaît. Et moi, je sais que c'est un truc que j'ai senti, c'est que depuis 2-3 semaines, je me suis dit, en fait, je vais revenir à ce que j'aimais faire. C'est-à-dire que des fois, jouer un peu. Et pareil, on va parler même du fait que même jouer, en fait, c'est pas juste jouer, il y a autre chose qui vient derrière. Ah ouais, Mais voilà, moi je me mets à jouer, je refais de la cuisine, je refais du sport, je vais essayer de refaire de la broderie. Et en fait, eh ben, c'est ce qui au final marche le ouais. mieux. Bien sûr. Parce que ben, je fais juste en fait ce que j'aime. Mais en fait, c'est aussi ce que Exactement. les gens qui me suivent aiment. Et voilà. Et moi, je dirais, enfin, je sais pas si tu appuieras ce discours, mais en tout cas, je dirais, si vous streamez, que vous ayez un ou 1 000 spectateurs, faites déjà ce que vous aimez, et après on parlera de peut-être gagner des sous, en vivre, C'est machin, ça, essayer ça. de, Je voilà. pense que faut faire ce qu'on aime en fait. Après, c'est facile à dire, on l'entend tout le temps, Oui. mais faut faire ce qu'on a envie à l'instant T. Après, c'est vrai que des fois, encore aujourd'hui, tu vois, moi j'ai un planning et j'essaie vraiment de le tenir. Pour le coup, je peux. Donc voilà, Oui, après. j'essaie de le tenir. Et c'est vrai que quand on me propose quelque chose, alors du coup, comme j'ai mis des jours off maintenant, c'est possible de caler des choses avec d'autres, tu vois. Mais pendant un temps, c'était bah non, je suis pas dispo, non, j'ai pas. Ou des fois même, j'avais pas envie d'y aller. Mais ça, Oui, par contre, mais c'est autre chose. En tout ça c'est cas, oui. j'ai arrêté de faire des choses que j'avais plus envie de faire, par contre. Voilà. Mais ouais, je pense qu'il faut prendre du temps et même si c'est pas évident, essayer en tout cas parce que bah, c'est important. Je suis C'est ça. pas très forte à ça. Hein. Il y a encore des choses, je suis exténuée encore aujourd'hui parce que forcément, le temps libre que je me suis dégagé, il a fallu que je remplisse autrement. Donc Après, t'es obligé d'avoir des amis, c'est super Ouais, chiant. non, moi j'en ai pas, ou c'est ceux de Twitch, comme ça, tu vois, Voilà, je suis comme ça tranquille. Comme ça, pas d'emmerde, tu vois. on est. Non, Oui. mais voilà, et je pense qu'après, ouais, il faut. C'est quand tu fais ce que tu aimes que les gens voient, en fait, que tu kiffes, et qu'ils sont contents d'être avec toi, en fait. Peu importe si c'est pas quelque chose qui est beaucoup streamé, après tout, c'est pas grave. Après, c'est Non, oui, en intéressant fait, on. aussi, c'est vrai, si tu as envie de développer ta chaîne, parce que tu peux avoir envie de développer ta chaîne, et je pense que tout le monde a. Au fond, quand tu crées une chaîne Twitch, tu as envie qu'elle soit développée. Bah Après, oui. jusqu'où, je ne sais pas, mais tu as envie de rencontrer des gens, tu as envie de partager, tu as envie que ça marche. C'est humain, c'est normal, tu vois. D'un autre côté, il faut savoir qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça? Bah c'est Qu'est-ce que ça. tu es prêt à faire et qu'est-ce que tu es prêt à perdre et qu'est-ce que tu es prêt à gagner? Et On est prêt surtout à tout gagner, j'ai qu'on. envie de dire, mais qu'est-ce que tu es Ah prêt oui. à perdre? Qu'est-ce que t'es prêt à Ta perdre, c'est ça, liberté, parce ta que. communauté, le fait d'avoir la liberté de faire ce que tu veux, Et puis tu. la Même si t'as sécurité la financière. liberté, qu'est-ce que tu récupères? Enfin, derrière, on s'imagine aussi beaucoup de choses. Bah, comme si Ouais. Laran vive 3 vies pro en même temps, crocasse et d'un peu trop vide. Oui, C'est pas moi, faux. Mais C'est c'est pas ça, en faux. fait. C'est que, en fait, surtout que la notoriété ne vient pas d'un coup. Non. À quelques exceptions près, mais voilà, c'est des gens qui connaissaient déjà machin et Enfin, qui milieu et gère qui les l'ont réseaux relayé. sociaux, Voilà. qui avait peut-être un concept et une personnalité à proposer. Et Ça, puis de la chance voilà. aussi, hein. Il y a un facteur Oui. chance aussi, hein, quand même. Totalement, voilà. Mais en fait, la reconnaissance est quasi nulle. Et c'est-à-dire qu'en fait, enfin, moi, je me rappelle. Alors, là, ça va être mon expérience perso, mais moi, en fait, avant Twitch, ça fait longtemps que je suis sur Internet parce que j'ai eu un blog pendant 10 ans. Et grâce Ok. à ce blog, j'ai pu interviewer des gens. Donc, j'ai interviewé Joueur du Grenier, Bob Lennon, Bernard Minet, Trop bien, machin. incroyable. J'ai les vidéos encore. Je crois que je les ai remises en public. Voilà. J'ai Ah, d'ailleurs eu. énorme. J'ai eu deux trucs, en fait, entre guillemets, buzzé, alors, à mon niveau. C'était bah, l'interview du Joueur du Grenier. Alors, faut vous dire, à l'époque, je pense que j'avais même pas 22 ans. Et fun fact, une des premières photos de Seb du Grenier que vous Ouais. voyez en résultat image Google, c'est moi qui l'ai faite avec mon portable de l'époque. Incroyable. Voilà, et Incroyable. tous les sites internet me l'ont volé. Voilà, et donc bon, j'avais fait cette interview, mais qui s'était super bien passée. Voilà, j'avais mon bloc-notes, j'avais retranscrit l'interview par écrit et tout. Premier, entre guillemets, buzz, et donc première reconnaissance au final du travail, parce que bah, je vais le comparer à Twitch, mais c'est ça, c'est du temps bénévole fait pour un truc qui me passionne, à partager avec les gens. Les seules répercussions que j'ai eues, c'était des tonnes de mails, genre comment t'as fait pour rencontrer JDG?
Ah ouais. Et toi, t'es là, genre, bah, comment, voilà. J'ai fait un blog, du coup. Ouais, puis tu voilà. Faut tenter des fois aussi. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'était parce qu'en plus, j'avais obtenu une accréditation pour un événement, c'était voilà. Une petite convention, voilà, où il était, j'avais demandé, et on m'a dit oui, mais j'étais là, genre, bah, c'est de la chance. Mais bah... en fait, c'était, tu vois, c'était le seul retour, et j'avais pas eu le retour qu'on pourrait attendre de, enfin, quand tu perces ou quoi, de j'aime bien ton travail, machin, non. Et la deuxième, pareil, c'était bah, Bob Lennon. J'ai jamais compris pourquoi, c'est une interview vidéo de Bob Lennon qui a fait genre 15 000 vues, un truc comme ça. C'est beaucoup, beaucoup plus que ce que faisait ma chaîne à l'époque. Et les quelques réactions que j'ai eues, alors il y a plein de commentaires dessus, mais les quelques réponses que j'ai eues et contacts, c'était pareil, comment t'as fait pour voir Bob Lennon? Et moi j'étais là genre, bah en fait... on s'en fout, vous... non? Voilà, c'est ça. Bon, je vais vous dire, il n'y a pas de souci, je vous explique, bah faites un blog aussi. C'était, ouais, clairement, ouais. C'était un blog et quelques contacts et beaucoup de chance. Et clairement la vidéo a buzzé par hasard hein, parce qu'il n'y avait pas de j'ai jamais compris pourquoi et en fait bah, c'est peut-être ça c'est que si vous faites du Twitch ou quoi et que vous percez les premières réactions ça va peut-être pas non plus être ce que vous attendez et ça va peut-être pas être les plus je dirais pas les plus agréables les plus désagréables mais voilà c'est en ouais, fait c'est je crois qu'il faut s'attendre à rien en fait ouais, je crois ça. Qu'il faut kiffer après si t'as envie de percer bah faut faire les choses qu'il faut pour faut maîtriser les réseaux sociaux, il y a des choses sur lesquelles il faut peut-être surfer, il faut avoir et en même temps fais ton contenu quoi, tu vois, oui. Voilà. Et puis kiffe-le et voilà. Après de temps en temps ça m'empêche pas de réfléchir tiens qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait plaire, est-ce que je pourrais réfléchir à une nouvelle activité qui pourrait être sympa à faire que je pourrais kiffer et que les gens kifferaient, qui pourrait être compatible avec le fait de développer ma chaîne. Ça m'arrive d'y penser de temps en temps. Mais j'en fais pas une obsession et en fait je me dis voilà, je suis là pour quoi? Je suis là pour m'amuser, je suis là pour partager, ça m'a déjà apporté énormément. Voilà. Est-ce que c'est quoi à quoi j'aspire, tu vois? Moi ouais. Ce que j'aspire c'est ma liberté. Donc j'ai pas envie de la perdre, tu vois. Donc du coup c'est voilà. C'est encore plus pour un truc où, qui n'est pas ton enfin sans pareil sans critique là-dessus, c'est pas ton boulot principal, c'est pas ce qui te fait vivre. Enfin, non, peut-être un peu, mais non, en fait, c'est parce qu'il s'il me fait y a vivre. Plus Twitch, t'as déjà un contrat, t'as déjà. Ouais. Sans dire que le travail, c'est la vie non plus. On va pas partir là-dessus. Mais... Non, voilà, non, ça pourrait être un autre débat ouais. Encore. Mais ouais. T'as encore cette liberté qui est là parce que t'as pas une grosse dépendance à Twitch. Oui, ah bah, c'est sûr. Ah, ça, bah, c'est... Oui, c'est sûr que si Twitch, ça fait partie de tes revenus. Enfin, déjà, je pense que si jamais, ça risque d'arriver prochainement en ce qui me concerne, mais après, on verra. Parce que j'arrive à la fin de mon contrat là et en fait ils n'ont pas de projet tout de suite donc je vais avoir une grosse période de trou. C'est pas un problème, hein, je vais me débrouiller. Mais du coup, tu vois, pendant cette période là, je vais pouvoir me consacrer à mes projets. Mais du coup, là c'est différent. Tu te places dans un autre contexte où tu dis, et je pense que je miserai pas tout sur Twitch. Non, je sais pas, tu crées une chaîne YouTube, à la limite, avec ton contenu Twitch, je pense qu'il faut beaucoup jouer avec les réseaux, de ce que j'ai cru comprendre en tout cas, et puis il faut apprendre, et puis il y a des choses, peut-être d'autres, moi je suis en train de créer une boutique en ligne avec mes émotes du coup, avec mon frère, donc on est dessus depuis un an maintenant, et bon bah on fait ça en parallèle de notre taf, donc ça avance doucement, mais ouais, voilà, je pourrais m'y mettre un peu plus, voilà. Donc c'est aussi une autre source de revenus sur du contenu qu'on crée et avec lequel on s'éclate avec mon frère. Donc voilà, l'idée, c'est de multiplier un petit peu tout ça. Moi, mon objectif, j'aimerais bien pouvoir vivre de mes projets personnels, même si j'adore mon métier actuel. Mais voilà, j'aimerais beaucoup réussir ça dans ma vie, parce que ça me plairait énormément de pouvoir créer en fait mon entreprise et qu'elle fonctionne et que j'arrive à en vivre modestement. Hein, je ne demande pas la lune non plus, mais juste... et c'est ça mon objectif aujourd'hui. Et donc, parce que tu as autre chose. Tu vois, c'est encore une fois, je suis dans l'objectif aujourd'hui de me dire, j'ai pas envie de miser sur un seul truc, parce que moi, je suis dans l'intermittence, hein, je suis infographiste, donc je suis intermittente du spectacle, donc voilà. Typiquement, quand il y a plus de projet, bah, je suis pas longtemps sur le carreau, mais ça veut dire changer de boîte, changer d'environnement, se réadapter. Et en fait, arriver à certains âges, même si je suis pas si vieille que ça, ok, on m'appelle une micro-quête, mais bon, j'ai 35 ans, c'est pas non plus la mort, mais je commence à en avoir marre de changer tout le temps. Tu vois. Dire que je suis plus jeune que toi. Pardon. Ah bah je sais pas, peut-être, ouais, j'en sais rien. J'ai 32, mais ça m'a fait... Ah bah, ouais, non, mais 35, j'ai écouté ouais. Ce que t'as dit avant, il n'y a pas de souci. Je peux recommencer, si tu veux. Hein. Et du coup, toi, et tu coup... fais du Twitch, c'est ça. Voilà, ouais. C'est ça, je suis sur Twitch, ouais, c'est bien. On peut recommencer l'interview, ouais. Si tu veux. Mais oui, du coup,
C'est vrai que, je sais pas, en fait, j'en ai marre un peu. Enfin, j'en ai pas marre de mon taf, mais j'ai envie que ce soit mes propres projets. Oui, Et c'est ça. donc, Bah, du coup, j'ai tu... vachement conscience de ça. En fait, Twitch m'a appris aussi à me rendre compte que bah, finalement, tu peux pas compter que sur un seul truc. Donc, Twitch, je continuerai toujours parce que ça m'éclate. C'est un complément de revenu aussi. Ah Voilà. oui. Mais je continuerai, même si je gagnerai pas d'argent, hein, je continuerai parce que je suis venue sur Twitch pour m'amuser et pour m'éclater. Et de toute façon, je joue. Donc, autant partager. En plus, on rigole bien. Et on rencontre des super personnes. Donc, voilà. Voilà, c'est un complément de revenu. Mais de toute façon, je compterai jamais que là-dessus. Et même si, par exemple, je sais pas, j'atteignais le SMIC, j'en suis très, 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 très loin. Mais si j'atteignais le SMIC, jamais de la vie, je quitterais. Enfin, je ferais que ça, sauf si j'ai pas le choix, tu vois. Oui, Sauf si c'est j'ai ça. pas le Non, mais choix. voilà. Mais même, je ne ferais pas que ça. Je pense que j'essaierais de faire d'autres choses, en fait. Enfin, oui, je pense que c'est une erreur de miser que sur une seule chose, quoi. Ah non, et Mais puis ouais, bon. comme tu dis, c'est des. Enfin, comme si tu atteignais le SMIC, c'est des montants. Enfin, pour vous donner une idée, alors clairement, l'idée va être très Oh. floue, mais même si vous êtes en micro-entreprise, une fois que vous avez déduit vos taxes et les impôts et tout, globalement, Oui. imaginez-vous Ça dépend si on générer. parle de chiffre Ouais. d'affaires ou de Non, net, on parle pas de effectivement. chiffre d'affaires, voilà. Si on parle Ah, du voilà. net, de ce qui arrive vraiment dans la poche à la fin du mois, si vous voulez faire un SMIC qui est à 1300, à la louche, vous pouvez multiplier 1300 par 2. Par Voilà. Et 3. là, Oh, moi, je dis même même 3 par des 3, fois. moi. Moi, je Voilà. dis par 3, moi. Parce que, en Voilà. fait, je Donc. considère toujours par 3. Parce que, en fait, effectivement, tu peux dire par 2, mais par 3, au moins, tu peux investir. Ah Tu bah vois ce que je veux oui, dire? après Parce oui, que, en c'est là, fait, là. Oui, là sinon, tu n'as plus rien. on Bah parle oui, d'un mais bon, SMIC, du voilà, coup, on fait on le parle d'une minimum vital. micro-entreprise, c'est Voilà. entrepreneur, donc il Mais faut si tu aussi es penser, tu entrepreneur, vois. effectivement, Donc ouais. pour moi, en fait, quand Voilà. je gagne quelque Donc chose, oui. je divise par 3, en fait, tout. C'est ça. Parce que je sais qu'il y a une partie qui peut aller dans de la formation, dans de l'investissement de matériel ou autre, et c'est important, en fait, de garder, tu vois. Et effectivement, faut partir du principe que même à vos subs, même ça, en fait, c'est même pas divisible. Oui, si tu prends un Oui, sub, c'est tu vrai qu'il faut divises que tu par 3, divises quoi. par trois. Oui. C'est ce qu'on va toucher, en Ah vrai. oui, non, mais Voire mais même moins des oui. fois. Puis alors Non, la mais pub, sub. on n'en parle pas parce que ça, c'est ridicule. Ouais, vas-y, j'ai fait 10 Bon. centimes cette mois-ci, mais Ouais, non, sinon. enfin voilà quoi. Ouais. C'est en tout Oui, cas non, sur c'est Twitch, clair. après, sur La d'autres pub sur plateformes. Twitch, c'est pas dingue. Ouais, garder Non. quelque chose sous le coude, ouais, la RAM, c'est ça. C'est Et ça. d'ailleurs, bah, tu parles de matos. Et est-ce qu'on peut parler un peu de matos sur Twitch? Parce que moi, il y a un truc, alors, bah. Quand on va sur les chaînes Twitch, hein, si vous regardez les bios, souvent, il y a un petit panneau config. Et par exemple, bah, je me permets, je vais aller sur ta chaîne. Voilà. Alors après, Tu on peux aller, sait. il y a même un schéma chez moi de Voilà. comment c'est branché. On garde en tête aussi que toi, tu es infographiste 3D, donc tu avais quand même déjà du matos, je suppose, à la base, pour Oh, un petit peu, ton ouais. métier un peu. Voilà, parce qu'on ne fait pas Bof, ça. mais Voilà. ouais. Ouais, peut-être du matos J'ai bof, mais on ne fait pas ça avec un Chromebook, quoi. refait tout avec Twitch, en fait. Non, mais Parce voilà, que mais c'est c'est une ça, mais. passion aussi, tu Ah vois. bah oui, non, mais bien sûr, mais voilà, Mais c'est ça, c'est que. Enfin, vas-y, moi, je sais vas-y. que les subs m'ont permis de payer une partie de mon matos Twitch, hein, clairement. Mais on va prendre, donc il y a config PC et équipement. Pour vous donner une idée, on va comparer ce que Proka a chez elle, et je vais vous donner une idée de ma config à moi aussi. Moi, que moi, je trouve une config très basique, quand même onéreuse, voilà, parce que c'est en fait, c'est ça. La config, c'est de la thune, et on va en parler. C'est schéma et légende. On va pas faire le schéma, Lucien. On va pas faire la feuille A4. C'est pas. Donc vous avez, si vous regardez, vous avez une tour donc de gaming et une tour d'encodage. Donc deux PC différents. La tour gaming, bon, on va passer le boîtier, allez, on va être gentil. Qu'est-ce que c'est? Alors par contre, je vais poser une question vraiment, tu Ouais. vois, c'est là que tu vois que je connais pas. Ils ont écrit Mobo. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est motherboard, c'est la carte mère. Ah, c'est la carte mère. Ouais, Ah je bon, savais pas, je connaissais pas non plus vous l'acronyme voulez et pas en fait je parler l'ai vu sur français? un. Bah en fait, il y Oui, avait pas, je pouvais pas mettre d'accord. CAME. Oui, c'est vrai. CA, CA, Mobo, c'est tu ils le vendent des. trouves sur certains Ok. sites, mais je connaissais pas. Mais C'est. j'avais pas la place de mettre carte mère, donc Ah j'ai bah mis oui, MB, oui, motherboard, effectivement. c'est. Donc, voilà, le motherboard. Donc, on a une Aorus Gigabyte Z390 Ultra. Il y a tellement de chiffres, vous voyez, déjà, vous savez que ça vaut 2000 euros. Voilà, Non, on quand a même pas. CPU, on a de l'Intel Core i9. GPU, une Nvidia GeForce, une RTX, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. En RAM, on part sur du 2 x 16 Go de C'est 32, quoi. balistique. Ouais, voilà, 32 Go. Disque dur Samsung, 500 Go, SSD, parce qu'il faut aller vite sur Twitch. C'est ça. Un ventilateur, parce que bah, sinon ça crame. C'est Voilà, et ça. l'alimentation, Corsair et tout. Et à côté de ça, on a un PC d'encodage. Donc, Ouais. pour Au début, résumer, c'était pour pas comme les. ça. Hein. Ah Au début, bah. j'avais une seule tour, puis Voilà, après, bah j'ai oui, divisé. t'inquiète, moi j'ai qu'un seul truc aussi. Mais c'est ça, effectivement, comme tu dis, c'est que en fait, vous avez normalement un PC qui joue au jeu, en gros, pour simplifier, qui fait tourner le truc principal du stream, et un autre PC qui juste encode, qui récupère le flux vidéo de l'autre PC et qui l'envoie sur Twitch.
En fait, là où c'est pratique, là, le moment où j'ai fait la transition moi, à double PC, double tour, c'est parce qu'en fait, OBS tenait pas en fait mes overlays, plus le Ah oui. jeu. Et puis en plus, c'est relou parce que ton écran il est pris par le jeu. Du coup, si tu cliques ailleurs, c'est chiant. Donc voilà, de splitter les deux, ça me permettait d'être. Ah, Tout à fait. franchement, c'est Ah le oui, non, mais meilleur par choix contre, que j'ai pu faire. Mais par contre, ça demande des réglages. Enfin, c'est un c'est peu. ça. Ça te demande des investissements supplémentaires. Hein, Voilà. Et c'est ça sûr. demande des sous, hein, aussi. Voilà, bah, on est sur globalement une config à peu près similaire sur le PC d'encodage. Pas répéter. Et Bah. ensuite, oui, pardon, vas-y. Non, 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 il y Non. a juste la carte graphique qui est différente, je Oui, crois, voilà. quasiment. Sinon, c'est la même, Ok, je voilà. Donc c'est globalement pareil. Et ensuite, c'est-à-dire qu'à côté de ça, pense. pour Ouais. streamer, Kroka utilise aussi donc deux écrans, c'est ça, je vois. Hein. Oui, deux Oula, écrans. non, Trois. Trois. j'en ai quatre en tout. Quatre. Ah, ça indique trois là, parce qu'il y a Iliana G-Master x2 et un Asus LED. Ok, bon, Oui, je mais c'est parce vois. qu'en fait, j'en ai un que je précise pas, mais qui me sert d'avoir Discord sur le côté. D'accord. Mais oui, en réalité, j'en ai Voilà. trois, mais je. Bon. Oui, mais bon, voilà. T'as Non, j'en le ai quatre, quatrième ouais. pour J'en ai un pendant que tu quatrième. stream. Voilà. T'as pas acheté le Ouais. quatrième par confort en te disant, tiens, ça Non, manque je l'avais d'écran. déjà. En fait, Ah oui, ok. en fait, j'avais Trop deux tard. écrans qui me servaient à rien et c'est pour ça. Sinon, j'aurais pas racheté un écran pour ça. Voilà. Voilà. Bon, après souris, clavier. Qu'est-ce que c'est le KVM? C'est pour. Alors, c'est Ah un oui, c'est juste switch. En fait, c'est pour. parce que C'est un j'ai. switch USB. En fait, comme j'ai deux PC, Ah oui. bah, tu te retrouves avec deux souris, deux claviers sinon. Donc, un D'accord. Donc c'est KVM, le c'est une sorte de switch. switch qui te permet de brancher Ok. ton clavier et ta souris sur cette espèce de switch. Tu appuies sur un bouton et ça switch Et ça de. En change. fait, la souris Ok. et le clavier. Voilà. Très bien. Oui, j'apprends des trucs. Hein. Bah C'est oui. fou. Hein. Mais je passe bien pour un mec Non, qui a mais tu sais, jamais moi, il y touché a de quelques mois, je PC. connaissais pas le terme non plus. Donc, tu sais, Bon, c'est bah des choses. parfait. Voilà, t'en fais pas. Hein. Donc voilà, des webcams, du coup, deux webcams, un micro, en plus le Rode NT1, qui n'est pas non plus un micro Ouais. dégueulasse, c'est pas le truc le plus cher du monde, mais voilà. Un Non, il est stream. bien, il est bien. Ah oui, Surface Pro, d'accord, pour faire Stream Deck. Ouais, Des c'est consoles, ça. une Mais je PS4 l'avais ou déjà. Switch. Tu vois, j'ai recyclé. Oui. Encore une fois, la Surface Pro, je l'avais déjà. C'est la Oui, Surface voilà, Pro qui me c'est servait ça. quand j'étais comportementaliste, quand j'allais chez les clients à l'époque. Ah, Donc tu vois, tu faisais je des sons? recycle. Pour les... t'arrivais De quoi? chez les clients, t'appuyais sur un bouton, ça jouait un son Non, non, non. Non, mais pour le c'est parce que je chien. prenais des notes. Oui, Je faisais des fiches, des fiches techniques. oui. Enfin, Bien sûr. voilà. Je. Oui, non, je rigole un peu. Mais oui, pardon, Mais je prends voilà. toujours tout Mais... sérieusement, Oui, non, c'est pardon. pour ça. Non, parce que je te vois bien, c'est arrivé, genre, putain, t'as que des sons d'Internet qui... Non. qui s'ouvrent. Non, quand même ça. Bonjour. Bonjour, mamie Croca. Voilà, c'est ça. Voilà, et ensuite bah, on a de l'éclairage, on a un fauteuil et on a aussi toutes les applications, alors qui pour la plupart sont libres, il me semble, hein, Touch Portal, OBS, Voice Meter, que j'utilise aussi, du StreamerBot, voilà. Mais en fait, vous voyez tout ça, ça c'est une config, donc toi tu as, alors il y a beaucoup de recyclage comme tu as dit, enfin, en tout cas il y a des trucs que tu avais déjà, Ouais. que tu n'as pas acheté, mais il y a de l'achat et il y a de J'ai acheté beaucoup. l'investissement. Ah ouais, bien sûr. Voilà, le Facecam n'est pas sur la liste de matériel, Crocaccino dit Ah, Laran. c'est vrai, Ah, c'est vrai. Oui, mais c'est parce que je l'ai reçu la semaine dernière. Donc, pardon. voilà. Je vais le noter dans les trucs à Voilà. faire. Mais là, vous voyez, du Voilà. coup, on a deux PC à la louche, si jamais tu souhaites le dire, juste par curiosité, toi, tu estimes ça à combien financièrement? Franchement, on fait de la grosse louche parce qu'on sait très bien J'en qu'on a sais plus vos rien. factures. Est-ce qu'on est à plus 1000 ou moins 1000, on va dire? Allez. Oh, plus 1000. Oh, Voilà. plus 1000. Oh, bah largement. Je pense que Voilà. tu peux même multiplier le 1000 par quelques chiffres, ouais. Voilà. Ah ouais. Parce que déjà, rien que les deux tours, les tours, elles sont. Et les tours, c'est le Je retour pense. du roi, après, Oh, c'est je ça? pense que. Non, mais une tour, je pense qu'il y en a pour 1700-2000. Voilà. Donc, des deux tours, Donc pas mille. déjà. Après, le reste du matériel. Moi, c'est vrai que par contre, il y a des choses que je n'ai pas achetées, que j'ai depuis très très longtemps. Il y avait certains écrans que j'avais déjà, la Surface Pro, je l'avais déjà. Le clavier et la souris, ça fait 7 ans que je les ai. Mon casque, je l'ai changé récemment parce qu'il commençait à pêcher, puis j'avais envie d'en avoir un de secours. Mais sinon, il y a pas mal de choses que j'ai. Oui, les écrans, j'en ai racheté. Le fauteuil, j'ai acheté. Ouais, ça fait beaucoup d'argent, ouais, c'est sûr. Voilà, Après, tu n'achètes pas tout d'un coup, Ah non, non, bien c'est sûr. stupide. Non, non. Et puis, Il y a des choses que j'ai pu me payer aussi parce qu'il y a certains viewers qui m'ont offert des choses. Je pense à certaines manettes, la manette Switch par exemple, la Facecam en l'occurrence, ce genre de choses. Je fais une wishlist pour m'aider. Et puis bah après, oui, c'est sûr. Maintenant, moi je dépense, j'achète pas de fringues par exemple. Quand je vois des fois le budget fringues de certaines filles, je me dis bon, bah ça va en fait, tu vois. En comparaison, je suis même des fois un petit peu en dessous. T'as pas Donc, vu mon budget, fringues, hein. Ça se tu voit. vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, Oui. ça dépend, tu mets ton argent Oui. là où tu as envie. Moi, du coup, Voilà. par contre, Ah oui, ben, bien sûr, oui. et puis c'est un investissement que tu fais une fois, je sais que c'est ma passion, que j'y passe énormément de temps. Il faut savoir aussi que le setup, tous les trucs que enfin, tous les achats que j'ai pu faire me servent aussi ben, dans mon travail.
Voilà, les écrans que j'ai. En fait, j'ai deux écrans pour le boulot, j'ai un écran pour moi de ce côté-là. Bon, le micro, évidemment, j'en aurais pas eu besoin si j'avais pas streamé. Mais sinon, le reste m'est utile, en fait. C'est ça. C'est que des trucs utiles, évidemment. Ouais, à part peut-être le fauteuil, je veux dire, je travaille maintenant... Avant, ce n'était pas le cas. Avant le confinement, je travaillais sur place. Donc forcément, je n'avais pas forcément besoin d'avoir un fauteuil qui coûte très cher. Là, je suis tout le temps... C'est la seule chaise que j'ai chez moi, pour vous dire. Je n'ai pas de chaise chez moi. C'est la seule chaise que j'ai. Donc, tu manges debout aussi, du coup. Je mange dessus. Je mange ici, là où je suis, là, actuellement. Je n'ai pas beaucoup de place. Donc voilà. Oui, et du coup... Ça fait que, bah, tu vois, c'est important. C'est, ouais. Au lieu d'avoir 36 000 choses dans mon appart, j'ai choisi d'en avoir un seul. Donc, j'essaye quand même dans mes achats de choisir des choses qui peuvent m'être utiles sur plusieurs plans. J'évite d'acheter des trucs qui ne vont pas me servir. Et c'est souvent une réflexion. Je ne fais pas un choix comme ça. Je n'achète pas comme ça d'un coup. Généralement, ça me prend plusieurs semaines avant de me décider. Et puis, de toute façon, on n'est pas là pour non plus justifier les achats, comme je disais. Enfin, ce que je disais, ce n'était pas voulu. Non, mais en fait, c'est intéressant parce qu'on ne met pas tous le même budget. Et on ne peut pas mettre ce budget-là dès le départ, à moins d'être... d'avoir beaucoup à investir dès le départ, c'est sûr. Surtout c'est normal. Départ, un peu sur Twitch, clairement, on ne sait pas trop dans quoi on se lance. À moins vraiment d'avoir déjà une communauté qu'on a créée ailleurs. Je ne sais pas si c'était ton cas avant. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, déjà pas du tout. Voilà. Ah, toi, pas du tout. Tu es vraiment parti de zéro. Moi, je suis parti de scratch. Ouais. Voilà. Tu es parti de zéro. Moi, je sais que j'avais la chance d'avoir déjà des gens qui me connaissaient un peu d'avant et tout. Donc, voilà. Quitte à investir, autant investir rentable. C'est un peu ce que dit Elaran. Voilà. Mais pour vous donner une idée, je vous compare avec mon setup. Après, c'est vrai que moi, je suis beaucoup moins sur Twitch, évidemment. Et pareil, j'ai investi aussi parce que j'avais pareil besoin de changer de PC. C'était un peu l'occasion. Mm-hmm. Moi, je tourne à un PC qui est à 16 Go de RAM. J'ai une Radeon en carte graphique, en GPU, en motherboard du coup, processeur, putain, okay. Je vais y arriver, voilà. Une Ryzen 5 d'AMD, attends merde, je confonds, non c'est la Radeon en carte graphique, c'est ça, et CPU, processeur, un Ryzen 5, voilà, en micro j'ai un Tonor USB à 30 balles, voilà, et console, pareil, des consoles que j'avais avant, la 360, la Switch, la PS4, et on m'a donné la carte d'acquisition qui capture en 720p. Voilà, et tout le reste, c'est du logiciel libre pour faire tourner. Ouais. En vérité, mon seul investissement Twitch, enfin mon plus gros, c'est le PC, et même là, parce que mon PC, en gros, c'est les petites boîtes, alors je peux pas vous le montrer, mais c'est les petits trucs qui sont hauts comme ça, là, c'est les trucs qui tiennent dans la poche, ça coûte 600 balles presque. Ouais, les PC, c'est les Zotac Box, ce genre de choses. Ouais, voilà, non c'est fait un peu pour les... Ouais, c'est je vois. C'est comme un Raspberry, mais déjà monté, on va dire. Ouais, j'en avais une, voilà. J'ai même streamé à un moment donné avec, quand mon PC était en... on peut, bien sûr, je l'ai fait, donc... Tu stream pas GTA 5, quoi, mais tu stream. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai investi dans une tour, un micro, et puis... Ouais, carte son. Les consoles, en fait, finalement, j'ai pas acheté de console, moi. Il y a mon frère qui m'a filé la PlayStation 4. On a décidé qu'on se l'échangerait parce que lui, il peut pas y jouer, en fait. Donc, elle prend la poussière. Donc, on s'est dit, vas-y, je te la file pendant que toi, t'en as besoin. Puis moi, quand j'en aurai besoin, je la reprendrai. Donc, on s'échange. La Switch, Romain m'a offert la sienne quand il a changé et pris la nouvelle. Ce fou furieux. Donc, moi, j'avais rien demandé. Hein. Mais bon, du coup... Voilà, mais sinon, j'ai pas... Mais c'est sûr, oui. Après, j'ai décidé d'investir dans des trucs qui me font plaisir et ma passion, quoi. Mais après, ça dépend aussi le budget qu'on a et l'envie. Aujourd'hui, je ne pourrais pas me repayer une tour, par exemple. Oui, non, ça dépend de l'instant où tu as. Ouais, voilà. Et puis, comme tu dis, c'est vrai que c'est bien d'arriver à le rentabiliser, à se dire je l'achète à la fois effectivement pour Twitch, parce que c'est toujours bien d'avoir des trucs pour Twitch. Mais aussi pour moi, et c'est vrai que moi, j'ai vu beaucoup de gens. Dépenser Twitch, et dire dès le premier stream qui claque 2000 balles dans un PC, et quand tu leur demandes, tu leur dis, mais est-ce que tu avais vraiment envie, toi, d'un PC 2000 balles, est-ce que tu avais besoin de ça? Qu'ils disent, non, mais c'est pour Twitch, et t'as genre, mais tu sais même pas. Ah, ouais, si c'est dommage parce que pareil, sur des profils comme les tiens qui démarrent from scratch à zéro, et tu te dis, ça fait mal. Hein, voilà, si t'as les sous, tant mieux, mais en fait, dans ce cas-là, tu l'achètes pour te faire plaisir, toi, mais si tu attends des résultats, tu peux être très déçu et. On peut même partir sur un autre sujet. Mais qui est relié en fait. Parce que tu disais le fait de d'acheter pour le stream. En fait, il faut attendre quand tu te lances. T'es pas obligé de tout avoir dès le début. Ouais, c'est ça. Et puis surtout que les chances de rentabiliser déjà cet achat-là sont
tellement faible ça. que. C'est clair. C'est clair. Mais après, tu peux très bien investir pour te faire plaisir et que ça te serve en dehors. Moi, ça a été mon cas. Et puis, bon, moi, j'ai une deuxième tour, mais parce que aussi, je me suis dit, bah, peut-être qu'il y en a une qui me servira pour la 3D et que je pourrais, tu vois, il y a aussi ça. Le fait que mon setup soit un peu haut, c'est aussi parce que bah, je suis infographiste et que je dois faire tourner des logiciels dessus qui sont un peu plus poussés parfois. Mais Donc, surtout, en plus, tu fais des poils et des vêtements. Enfin, c'est pas non, non, alors, oui, c'est... genre, je ne le fais pas sur mon Ouais. PC pour le coup. Ah, tu Mais vas... oui, Mais c'est un truc gourmand, mon c'est idée, sûr. c'était de si jamais j'ai envie de faire de la 3D, je n'ai pas envie d'être limité, ouais. Ouais, Et donc, c'est du ça. coup, ça a toujours été, de toute façon, depuis mes études, ça a toujours été la galère pour avoir un PC qui fasse tourner la 3D, de toute manière. C'est ça. Philippe a obligé d'avoir tout dès le début, dit Elaran, dit celle qui a passé 1 ou 2 mois à faire tout l'habillage graphique de sa chaîne Oui, avant non, la alors ça, c'est autre séquence. chose. Ça, c'est plus du côté matériel, là. Ah. Là, on est sur la préparation et le fait qu'on veut que ce soit tout parfait. Oui, non, mais ça, c'est un problème chez moi, mais. Je sais pas si c'est un problème en vrai parce que pour moi c'est vraiment les Je sais pas. deux, tu sais, c'est vraiment les deux types de streamers. T'as vraiment celles et ceux qui, ouais, qui voilà, qui veulent vraiment tout préparer de manière très carrée, assez propre, avant de lancer le premier stream et ensuite qui lancent les streams. Moi je sais que je suis vraiment sur le profil inverse où oh, j'ai lancé les premiers Pas streams sûr, ça l'arrache vraiment, quoi. Ouais. je les ai fait avec un MacBook Air mes premiers streams en plus. Donc vraiment en termes de, on était très très limités. Ouais, mais c'est Voilà. bien, je sais pas. J'avais ah non j'avais 8 Go de RAM et tout, enfin vraiment, pour l'overlay je pouvais pas avoir de trucs qui bougeaient, sinon ça a surchauffé. Ah, on était à ce niveau-là en termes de limitation Mais et je pense que c'est bien parce que tu as une sorte de lâcher prise que ah moi j'ai oui beaucoup de mal d'avoir, tu vois ce que je veux dire? Et non bien c'est sûr. chiant en fait quand tu démarres ton live et enfin que tu n'arrives pas à te lancer en fait. Mon frère m'a dit, bon allez, ça suffit. Ouais c'est vrai, Ça fait un mois que tu es dessus c'est là, maintenant, telle date tu commences. Je fais, oui ok. mais c'est vrai, mais Bon, par contre mais c'est bien en fait. T'as pas d'identité. A contrario, enfin, moi du coup, quand je l'ai lancé, j'avais pas d'identité. Enfin, j'avais mes contenus qui plaisaient. C'était le contenu qui plaisait. Mais par contre, la forme, des fois, je les revois aujourd'hui. Je me dis, quand même, quoi, j'ai fait Ouais. ça. Tu vois, genre, Ouais, ouais. waouh, ouais, c'est pas non plus très beau, quoi. Enfin, en fait, on pouvait pas me repérer. On pouvait pas se dire, voilà, Gecko, il a ce type et tout. Ce que j'essaye d'avoir aujourd'hui, maintenant, avec les overlays que j'ai fait, mais que j'ai même fait en live et tout, Mais c'est et ce pareil, que ça j'ai, arrive voilà. après ça. Ah Tu oui, mais ce vois, que j'ai. c'est ce qu'on disait au départ, finalement, tu démarres ton live et tu sais pas. Moi au début, tu sais, moi au début, je streamais ultra sérieusement. Genre, il n'y avait pas de fail. Enfin, il y avait peut-être des fails sur ma chaîne, mais genre, Oui. je jouais. Toi, je n'avais pas trop d'humour là-dessus. Moi, je voulais jouer Ouais. sérieux, tu vois. Vraiment. Aujourd'hui, c'est tout l'opposé. Enfin, je veux dire, quand je me plante, enfin, limite, j'en rigole. Enfin, voilà. Et en fait, Twitch m'a appris aussi à changer, à trouver mon identité, même si je trouve que j'en ai pas vraiment. Enfin, j'ai une identité, mais je n'ai pas une identité non plus. Je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment. Une identité forte, ils font un Ouais. type de contenu. Moi, je m'éparpille souvent. Mais en même temps, c'est moi, tu vois. Ouais, mais Parce c'est ça. que, tu vois, c'est C'est ce que j'ai envie de faire ça. là. Donc, bah, je C'est le fais. ça. Et C'est puis, ça peut-être qui qu'un fait. jour, je trouverai un truc. C'est ça qui fait ce que t'es. Et C'est justement, ça. tu parlais bah, voilà, du fait d'être sérieux et tout, machin. Ouais. Ça me rappelle un peu ce qu'il y a écrit dans ta bio, genre youtubeuse multigaming. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que tu fais plus que ce qu'on appelle le multigaming, du coup, qui est le fait bah, de jouer à plusieurs jeux vidéo différents. Parce que le jeu vidéo, c'est typiquement le truc qu'on a sur Twitch le partout. Ah bah de toute Voilà, façon, oui. c'est la grosse plateforme pour ça et tout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, même à mon sens, si tu te lances sur Twitch et que tu décides de faire que du jeu vidéo, il y a peu de chances Ça que va être ça dur. marche. Parce Ça va que être très dur, ouais. tout le monde fait déjà ça. Enfin, il y a Ouais, puis 20 000 ça dépend, personnes ouais. qui. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Non, À ouais, moins que tu aies quelque c'est. chose à apporter, et encore, je pense que on commence à atteindre le truc où Ah tout a été fait, bah, quoi, mais c'est presque, ça, j'ai envie de dire. les Même speedrunners, si. les mecs qui jouent à l'envers, les yeux bandés, machin, il y en a déjà 50 000, donc en fait, Ouais. voilà, C'est bah, ça. les jeux, voilà. Et moi, ouais, je suis pas d'accord, parce qu'effectivement, bah, t'as le Drawgazer, t'as le vendredi où tu discutes, du coup, avec les viewers, des trucs comme ça. En fait, c'est ça, pour moi, dans ton identité, c'est que, effectivement, tu joues, et t'as tout à fait le droit de jouer, il n'y a pas de souci, voilà. Là, tu as vu que tu faisais Stray, d'ailleurs, en ce moment, il me semble. Ouais, c'est Tu l'as vrai. fini ou pas? Pas encore, non, Pas non. encore. D'accord. Eh Oh, ben, tu sais, moi, tu moi verras. c'est limace, hein. Moi, c'est Ah oui, voilà. alors, parce que Pas moi de pression, on y va tranquille ou quoi. Donc, toi, tu je l'as l'ai fini? terminé. Ouais, je l'ai terminé, je Ouais, l'ai c'est fait bon. volontairement hors stream pour vraiment en Ouais. profiter à mon Ah, rythme ok. et tout Ah, et nice. machin. Et j'ai chialé comme un dingue à la fin, évidemment. Ouais. Voilà, Stray nous dit, bah oui, Romain, ouais, c'est ça. Il Bon, on verra. y a quelqu'un qui joue exclusivement avec ses orteils, dit Elaran. Selon les jeux, ouais, Street Fighter, ça se fait beaucoup avec les pieds, pour une réponse premier degré. Mais. Voilà, mais Pas sinon mal. je pense qu'il y en a, ouais. Mais il y a beaucoup de jeux de baston Il y qui a se de font avec les tout, de pieds. toute façon. Et puis, bah le jeu, on les a vus dans Ouais. l'argent en travers. Après,
je trouve pas ça facile non plus sur Twitch de trouver sa place et même de faire du contenu différent. C'est pas Ah oui. évident. Parce que les gens, ils viennent pour du jeu vidéo aussi. Ils Oui, viennent aussi pour bah. d'autres choses, mais si tu fais pas de la musique, du dessin, et encore même le dessin, on en parlait hier, le dessin, il y a quelques personnes, tu as peut-être trois streamers français qui ont vraiment percé avec le dessin. Ouais, sinon. Allez, il y a peut-être des gens qui sont à 100 viewers, mais des gens qui ont vraiment percé, il y a qui? Il y a Pépipin, il y a Fakir, et puis il y avait Camille Yundon, tu disais, Elaran. Des gens qui ont vraiment percé, j'entends, qui ont plus de 300 viewers. Donc, tu vois, c'est difficile. Après, je pense que moi, j'ai envie de faire plein de choses. Après, peut-être qu'à un moment donné, je vais faire qu'un seul truc parce que c'est là-dessus que je vais avoir besoin de travailler. Tu vois, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, je ferai plus de dessins parce que bah, sur ma boutique, j'en aurai besoin. Et puis Mais ça te fera plaisir, enfin. j'aime bien pouvoir faire de tout et je trouve ça cool de pouvoir jouer. C'est là aussi où je m'éclate. Mais ouais. Mais après, je fais du multigaming. En fait, si j'ai mis multigaming, c'est parce que la majorité de mes streams, c'est du gaming finalement. J'ai un jour dans la semaine où je fais de la créa. Voilà. Ouais, bah Donc, je peux pas c'est dire. Ouais, c'est vrai que je pourrais le rajouter dans ma bio, par contre. T'as Ah, raison. ça suffit. Voilà. Non, mais après, Ouais. enfin voilà, c'est pareil, hein. C'est le constat. Moi, je sais que les rares fois où je passe, c'est souvent d'ailleurs sur les streams dessins ou Ouais. blabla, des trucs comme ça, parce que bah, Bah, t'avais le même reste, t'as alors. déjà vu. Oui, en plus, c'est vrai que là, tu jouais à Spider-Man et Stray, et je suis là, bah, j'ai déjà fini Spider-Man, j'ai déjà fini Stray. Bon, bon, non, Bon. j'avoue que je vais pas aller le voir. Voilà, où je le Bah mets en ouais. lurk, je le mets en lurk parce que faut toujours lurker un petit peu. Mais Mais. je viens de penser à un sujet Dis-moi. là que tu avais dit que tu voulais aborder au début. C'était justement le fait de faire les choses en live ou hors live. Ah ben. Je sais pas si je trouve ça Ouais, super bah vas-y, intéressant vas-y. Vas-y, parce vas-y, parce que que. c'est vrai que le tout premier stream que j'ai fait, finalement tu sais pas à quoi t'attendre. Enfin, je veux dire, t'as jamais streamé. Oui, t'as vu des gens streamer, mais Oui, ça n'a mais c'est rien à pas voir. Voir des spécial. gens streamer et streamer, c'est deux choses différentes Et déjà. puis en plus, tu te connectes tout Et en seul, fait, tu te dis ça va être cool, tu vois. voilà. Et C'est puis tu payant. stream, et puis tu fermes ta cam et tu fais, je vais vraiment faire ça tous les jours. Parce que C'est un c'est peu fatigant. épuisant, c'est fatigant. Non mais attends, il faut gérer. Non, En mais plus, moi oui. j'ai des troubles de l'attention. En fait, je me suis rendu compte, mais c'est la misère en fait. Il faut parler, il faut lire, il faut jouer. Au secours. Tu vois, je suis Ah, fatiguée déjà. Et je me disais, est-ce que je vais vraiment kiffer? Et puis en fait, tu profites pas du jeu de la même manière. Et ça, c'est un truc direct. Le premier stream, je m'en suis rendu compte. Enfin, le premier ou le deuxième. En tout cas, le premier stream gaming que j'ai fait, je me suis dit, oh là là, mais c'est dur en fait. Et puis Et faut c'est pas commenter, pareil. faut commenter presque tout ce que Ah, tu ouais? fais. Enfin, c'est pas Tu du tout dois. la même chose que ouais, de jouer tout Ah ouais, seul. non, non. C'est pas du tout pareil. Et au début, c'est presque même inconfortable, je trouve. Pour moi, c'était inconfortable. Parce que tu as envie de profiter, mais en fait, tu sais que tu as un chat et il faut animer. Ça. C'est il Et faut. C'est il faut. C'est pas. Il même faut. n'importe qui, parce qu'en plus les premiers streams, t'as peut-être deux viewers, donc Ouais. voilà, qui sont peut-être même pas actifs parce qu'ils sont en leur. Et donc faut te dire, si quelqu'un arrive, il faut qu'il voit un C'est truc ça. Il animé, faut qu'il voilà. voit un truc où il y a la personne et pas. C'est vraiment, c'est pas confortable du tout au départ parce qu'on n'a pas l'habitude. Ça le devient après. Enfin, confortable, je dirais pas jusque-là, mais en tout cas, ça devient normal. Mais au départ, quand t'as pas streamé, quand tu as l'habitude de jouer tranquille, entre potes ou chez toi, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Vraiment. Et c'est, moi, j'ai trouvé ça très inconfortable au départ. Ouais, Et c'est. après, c'est vrai que des fois, il y a des jeux, je me dis, bah non, je vais pas les faire en live. Je vais les faire hors live. Ou j'ai besoin d'avoir ces moments hors live aussi. Parce que le live, c'est bien, mais c'est pas pareil. Tu n'en profites pas de la même manière. Bah, c'est Et ça. puis, Et il y a puis des faut. jeux après aussi que tu es plus à l'aise à stream, des contenus que tu es plus à l'aise à streamer et d'autres non. Donc, tu t'adaptes aussi à ça. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que les viewers n'ont pas forcément cette conscience de cette chose-là. Du fait que streamer, au début, c'est assez déroutant en fait. Bien C'est sûr, ouais. beaucoup, beaucoup de choses et c'est pas si facile qu'on a l'impression que Non, non, c'est. non. Et puis, bah pareil, je vais à nouveau rebondir, toujours, Ouais. là-dessus. Mais je Le vois les rebond. réponses, je l'ai juste, toujours le rebond. Spécialiste du rebond ici, C'est ça. champion d'Europe de rebond, 1985, évidemment. Ah, waouh. Voilà, vous le saviez pas. Médaille d'or? Mais Médaille oui, d'or, hein. bien sûr, Ouais, bien sûr. vos grands-mères Médaille olympique m'adorent et aussi, moi non? plus. Bah oui, mais Oui, depuis, forcément. ils ont interdit la discipline, voilà. Ah, merde. C'est trop dangereux, j'ai perdu tous mes cheveux. Et du coup, bah, ils se sont dit, on va arrêter de. pardon, j'arrête les bêtises. Elaran, ouais, donc, qui dit, c'est pas la même façon de jouer et vivre les jeux, Ouais. effectivement, en stream, hors stream, tout à fait. Luciole, je n'ai pas connu au tout début, mais ça devait être quelque chose aussi, parce que tu avais certainement pas l'aisance que tu as Non, aujourd'hui. Tout à fait. non, Ça non, ça va. prend. Je vais pouvoir l'aborder avant de rebondir sur un Ouais. point. Et Romain, oui, avant de venir sur Discord, tu m'as partagé ton écran sans savoir si c'était les prémices du stream Ah, exactement. c'est Bah, c'est ça. vrai. On fait tous des boulettes à un moment.
Et il y a un peu ça, mais du coup, Luciole, je vais commencer par Luciole pour arriver à poser la question, parce que pareil, c'était un des points que je voulais voir, bah, ça fait un peu le lien avec justement jouer en stream hors stream. On a tendance à dire, oui, voilà, en gros, ils allument leur caméra, ils streament du jeu vidéo. Ouais, et puis voilà quoi. Voilà, bon, je suis d'accord sur le côté que c'est peut-être pas le plus fatigant, le plus complexe à mettre en place une fois qu'on est déjà bien set up. Ouais, alors bon. Ceci étant. Et encore, par rapport à d'autres trucs, je sais qu'il y a des trucs que je trouve plus complexes, mais même là, en fait, c'est même pas. De toute façon, on n'est pas sur une bagarre de zizi à savoir qui c'est qui a le stream le plus fatigant, parce que c'est pas très intéressant. Mais en gros, Data, ce que tu dis, du coup, voilà, Luciole, en fait, l'aisance, pareil, j'ai connu, enfin, je vais partager un peu les expériences que des gens m'ont envoyées. J'ai connu des gens, voilà, qui me disaient, ah, mais moi, je ne peux pas streamer seul parce que j'arrive pas à parler s'il y a personne dans le chat. Et pareil, c'est des gens bah, qui commençaient, qui sont au même niveau que moi et où tu dois leur dire, ah ouais, bah, en fait, gars, si t'as trois streamers, enfin, si t'as trois viewers et que t'as personne qui parle, bah, il faut que t'arrives à parler tout seul, ouais. Machin et tout, tu ne pourras pas faire en permanence. Des streams avec des gens et tout, parce que sinon c'est pas ta chaîne, c'est la chaîne de machin et bidule. Et il y avait un peu ça. Et c'est dur, c'est voilà. Très dur, c'est très très dur de, au début de se dire, moi j'ai eu la chance, j'avais Romain qui était là, il y avait quelques personnes qui étaient là souvent et qui parlaient, donc du coup j'ai pas trop eu ce moment là je l'ai eu par moment, mais c'était pas moi, j'ai pas eu ce désert de chat, rarement en tout cas. Et donc du coup, mais c'est vrai que c'est dur quand t'as personne, quand t'es à un ou deux et qu'il faut que tu commentes. Mais en fait, il faut que tu te dises, tu parles à la cam, quoi. Tu t'en fiches qu'il y ait des gens ou pas, il faut que tu commentes. C'est ça. Mais c'est pas facile. Si, ouais. Surtout si vous n'avez pas vécu l'expérience. Moi, je sais que j'ai eu la chance. J'avais une chaîne YouTube où je faisais du facecam, donc tu finis ouais. Déjà. J'avais l'expérience de la caméra. Mettre une ouais. Caméra et ouais. Parler tout seul pendant 3 heures. Mais effectivement, c'est ça. C'est que c'est en fait c'est un vrai boulot quand même. Ouais. La fée Barbotte qui dit les sous-titres sont incroyablement bien faits et fidèles. Alors, c'est pas les meilleurs du monde, mais c'est les seuls que je connais pour deux personnes. C'est Google Meet qui fait ça, du coup, si jamais. Ouais. Voilà. Je pense que je vais. Mais tu l'intègres directement dans ton. Ah oui, sur le dans stream, OBS, ouais, les gens le voient. Tu l'intègres dans ta vidéo. Oui, mais c'est pas un truc qui vient se mettre par-dessus. C'est un truc ah non, dans ton c'est OBS. C'est dans hein. La vidéo directement. C'est, ouais, dans, la c'est, vi- ouais, c'est dans la vidéo. C'est ah, pour c'est que justement les gens s'habituent aux sous-titres, se disent tiens, ce serait bien d'avoir des sous-titres sur Twitch. Mais c'est un autre débat. Un débat très très long, il y a une vidéo qui vient là-dessus, dans un mois elle sort, patientez. Donc ouais, en gros, voilà, même faire du jeu vidéo, en fait, bah c'est, en fait c'est du boulot parce que bah déjà, tu as quand même un tout petit setup avant, mine de rien, même quand tu es déjà bien prêt, voilà, de vérifier que le jeu marche, que ça capture bien, que machin, et puis de lancer le stream, de te dire là, il faut que je parle, il faut que je tienne pendant 2-3 heures. Faut que tu fasses ton intro. C'est... Ouais, il faut échanger avec les gens, rebondir, jouer, lire, surveiller que ton stream marche bien, qu'il n'y ait pas de problème. Parce que des fois, il y a des choses qui ne se relèvent pas ou les gens ne voient pas. C'est d'avoir conscience aussi de ton corps dans l'espace de ton stream pour montrer des trucs. Voilà, je sais par exemple que non, quand je présente ma chaîne et que je suis à droite, c'est par ici, tu vois, alors que sinon, c'est par là. Bon, des fois, je me trompe. Mais du coup, c'est des petits détails, mais ça paraît simple, mais je vous assure que ça ne l'est pas. Ça demande vraiment beaucoup de... Enfin, en plus, d'autant plus quand tu es en un petit handicap. Moi, dans mon cas, j'ai des troubles de l'attention et ça m'aide, mais des fois c'est lourd. Et puis en plus, quand tu es dans des jeux qui te demandent de l'attention, des combats qui durent longtemps, c'est un calvaire, quoi. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça, justement, ça te forme à des choses où t'as pas l'habitude. Parler devant une caméra, juste ne serait-ce que même parler comme ça dans le vide, à faire une présentation, c'est un truc que j'avais jamais fait avant, moi. Vraiment. Ouais, et puis faut, ouais, tu croises les doigts, t'espères que les gens répondent, puis s'ils répondent pas, tu prévois tes trucs. J'ai que c'est pas grave s'ils répondent pas, en fait. C'est oui, pas non. Grave. De toute façon, non, tu te lances, faut... t'essayes, il y aura voilà. Des échecs qui seront des expériences, en fait, finalement. Oui, et puis faut... tu progresses, t'avances, tu essayes. Enfin, voilà, c'est, après, t'as ton déroulé en tête, t'en as certains. Moi, j'avais essayé de le faire à une époque, puis j'ai abandonné parce que j'aimais pas, mais t'en as aussi certains qui préparent un peu le déroulé ouais. Des streams. C'est-à-dire sans forcément prévoir tout ce qui se passe, dire à tel moment, je vais essayer de parler de ça. Genre, si j'ai ouais. Un creux, je peux parler de ça. Et qui ont toujours un bloc-notes. Qui est un peu ah ouais dans un coin. Ouais, je connais des gens. Moi, j'ai jamais fait ça, moi. De manière. Enfin, après, c'est très flou, mais c'est se dire, bah tiens, si pendant que je joue, il se passe un truc comme ça, je pourrais réagir comme ça et tout. Ouais, parce que tu peux avoir des gens qui ont du mal à réagir sur ça. Je vois. Voilà. Mais j'ai bon, ouais. Je devrais peut-être le faire, je sais pas. Mais peut-être ça manquerait après de naturel. Moi, en fait, j'ai cette chance de. Je me pose jamais la question de ce que je vais dire ou pas parce que.
en fait, je suis pipelette, donc j'ai toujours un truc à dire. Après, ça peut arriver, hein, des fois, je sais pas quoi dire, et puis je sais pas quoi dire. Je lance mon live, je dis, bah, j'ai rien à vous dire. Voilà. Bon, bah, va jouer, voilà. Tu vois, à un moment. Allez, let's go, on y va. Enfin, non, mais c'est pas grave. Tu peux, t'as le droit aussi de pas avoir de quoi dire. C'est pas grave. Tu vois, et puis c'est ça que j'aime sur Twitch aussi. Tu vois, il y a peut-être des gens qui s'attendent à un côté rigide, mais je pense que les gens qui vont sur Twitch, justement, enfin, je pense, il y a des gens qui recherchent du naturel aussi. Et voilà, on est là, la bonne franquette, ils cherchent de l'humain et pas forcément du formaté comme on peut voir à la télé où finalement tout est faux presque. Enfin, oui, du ton jusqu'à même ce qui est présenté parfois. Et ce qui est bien sur Twitch, c'est que tu rencontres des personnes. Alors, c'est pas toujours le cas, mais j'ai l'impression quand même qu'en grande majorité, tu rencontres des gens, surtout. Des gens qui ont un univers, une façon de vivre, une manière de parler, des défauts, des qualités. Et c'est ça qui est beau, en fait, parce que la vie, c'est ça. C'est pas. Enfin, je trouve c'est beau aussi, des fois, d'aller sur un. Je sais pas moi, un documentaire ou plutôt une chaîne de télé, peu importe, qui est hyper bien fait, où tout est beau, tout est lisse, ok. Mais je pense que aussi sur Twitch, ce qu'on cherche, c'est du lien et de l'humain. Et justement, du contact, entre guillemets, plus ou moins direct. Disons, c'est différent d'une chaîne de télé où tu n'as absolument aucun contact. Là, pour le coup, tu subis le contenu, mais tu as le contenu et tu n'as rien. Ouais. Tu ne peux pas échanger. Twitch, en fait, c'est ça, c'est l'échange, le partage, en fait, à la base. Quand même, enfin, pour moi, oui, c'est ça. Pour moi, c'est direct, ça que je vais chercher, moi, personnellement, tu vois, c'est ce à quoi ça ou de l'amusement ou de la rigolade, ou tu vois, t'es pas forcément obligé de venir chercher du contact. Il y a des gens qui parlent pas et qui ont pas spécialement envie de parler, mais c'est quand même cette espèce de proximité. Et je pense que cette proximité est naturelle en fait. Bon, même si des fois c'est un peu gâché par certains, je sais pas, parce qu'ils vont mettre trop de forme, j'en sais rien. Et encore, après tout, pourquoi pas, c'est du contenu en soi. Non, bah oui, ça c'est vraiment, tout dépend ce qu'on recherche. Et je vois d'ailleurs Luciole qui complète en disant, c'est beaucoup de concentration et de cordo, savoir gérer son chat, son jeu, les problèmes techniques qui peuvent arriver. Oui, bah ça, on en a eu en début de streamer déjà. c'est ça. Alimenter les discussions. Travailler les overlays, tout à fait. Le Discord aussi, moi, c'est vrai que le Discord, c'est un truc c'est où je sais pas comment l'animer, donc c'est pas grave, les gens se débrouillent dedans. Non, mais c'est ça, voilà. C'est un travail colossal, effectivement. C'est monstrueux, le temps. À la fin des lives, oui, quand t'as fini, moi, quand j'ai fini, en général, je suis genre, qu'est-ce que je fais ? Attends, Quand tu finis, ouais, parce que c'est ça aussi. Bah, Twitch, les gens, ils croient, genre, on allume et on ferme la caméra et basta, après, on va manger, on va se coucher. Mais non. Non, on est pas là. Le travail qu'il y a après ou avant, c'est. Voilà, moi, le droguezer, ça me prend énormément de temps. Après, c'est un truc qui me fait vraiment plaisir. Et encore, j'allume même pas mes réseaux sociaux, j'ai pas le temps. Oui, c'est ça. J'aurais pu te donner mon Twitter, mon Insta, mais je ne l'alimente pas, ça sert à rien. Ouais, je l'ai vu, mais pour l'instant, je peux pas. À un moment donné, il faut choisir. Et je sais que je peux pas aller plus loin avec ma chaîne de toute manière. Et c'est pas grave, c'est cool. Je suis très bien comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si je voulais aller plus loin, je sais que le truc qu'il faudrait que je fasse, c'est les réseaux sociaux déjà, parce que je les alimente pas et que j'aurais plein de choses à raconter. Mais qu'est-ce que c'est chronophage, bon sang. Il faut que t'embauches, faut limite que t'embauches des gens à la fin, quoi. C'est le classique, voilà. Ouais. Faire des TikTok, faire des best-of YouTube, bah, est-ce que t'as le temps ou pas ? Faire des tweets, c'est un boulot monstrueux, ouais, souvent, le temps que ça prend c'est incroyable. Donc il y a beaucoup de personnes connues justement qui disaient qu'ils avaient pris un peu le risque comme ça. Ponce en avait parlé, je crois, en live une fois, mais lui il avait eu beaucoup de chance aussi quand il avait démarré, parce qu'il bossait en Allemagne, il pouvait genre arrêter de bosser, faire du Twitch, il était payé le même montant, il expliquait ça, ouais. Genre, du coup, à la fin, il finissait par bosser 2 jours par semaine, mais il était payé comme s'il en bossait 4. Donc, bah, t'avais un truc comme ça. Et le patron était en mode, ouais, tu veux faire Twitch, ok. Voilà, donc. Ah ouais. C'est sûr. Et en fait, du coup, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait économisé. Il me semble que c'est lui qui l'a dit. Mais peut-être que je me trompe, donc vous vérifierez dans le chat. Mais en gros, l'idée, c'était de dire, il commençait à peine à pouvoir vivre de Twitch. Il s'est dit, bah là, je vais payer un monteur, je vais payer des community managers et tout. Ça, c'est malin. C'est hyper malin. Il a commencé pendant 3-4 mois. Et on va voir. Si au bout de 4 mois ça marche pas, bah c'est pas grave, j'aurais pas perdu officiellement d'argent, c'est Twitch qu'on aura payé et pas ça. Si ça marche, c'est que je peux décoller, machin. C'est ça. Et c'est hyper malin. Pas mal, voilà, qu'on décollait comme ça. Après, bon, ça a explosé aussi avec l'interview d'Antoine Daniel. Hein. Bon. Voilà, c'est partie des. Ouais. C'est sûr que il y a des opportunités à saisir, et puis après, il y a des choses à faire, des risques à prendre. Puis il faut avoir les moyens de le faire, quoi. Voilà, Ponce, il a pu le faire parce qu'il avait économisé de l'argent. C'est ça. Payer un monteur,
Déjà, faut avoir le temps que ça prend, laisse tomber. Faut se consacrer qu'à ça pendant un moment. C'est là que je trouve ça très compliqué sur Twitch aujourd'hui, parce que si tu veux pouvoir avancer, je pense qu'il faut vraiment y consacrer énormément de temps. C'est chronophage, il faut y passer du temps, un minimum en tout cas. Hop là, être régulier, avoir, c'est. C'est un temps qu'on n'a pas, quoi. À moins de, voilà, sinon d'être moi, je trouve que j'y passe déjà beaucoup de temps et j'ai pas envie de passer plus pour l'instant parce que ce serait me ruiner. Déjà, je me ruine assez mon sommeil, donc je vais éviter d'aggraver les choses. Tu vois. Non, mais oui, c'est ça. Ouais, voilà. Ne le faites pas, ne le faites pas. Et bienvenue d'ailleurs, Hildra, j'ai oublié de te dire bonjour. Mais ouais. Moi, j'aimerais un peu, on va dire, terminer. Alors, si vous avez des questions dans le chat, faut y aller aussi, faut pas hésiter. Mais peut-être terminer sur un sujet à aborder, parce que du coup, tu es la première donc femme streameuse qu'on accueille ici. Parler du fait d'être une meuf, une femme, voilà, sur Twitch. Alors, moi, pour être. Je sais que j'ai déjà entendu plein de fois le truc de voilà, les filles, en général, ça marche sur Twitch parce que c'est des meufs. Ouais, genre, bon, tout est relatif. Je pense pas que ça suffise. Ce serait bien si c'était que ça. Et évidemment, voilà, l'appui de commentaires sexistes qui va avec, de soit tu sais pas jouer, soit tu joues qu'il y a des jeux de femmes, voilà, tu joues aux Sims, tu joues à Animal Crossing, d'ailleurs. Hein, vous pouvez ça, j'avais jamais entendu ça encore, tu vois. Ça me semble logique. Hein. J'entends ça, je me dis oui, bien sûr. Ouais. Oui, en remarque sexiste, évidemment. Mais c'est marrant parce que celle-là, je l'ai jamais encore trop. C'était pas le truc qui m'a été resté en tête. Est-ce que toi, c'est des trucs. Quels sont... je n'avais pas entendu ça non plus. Mais attendez, vous traînez qu'avec des gens gentils, vous. En fait, je crois. J'ai grandi dans une communauté de gamers. C'était pas. Alors, moi, déjà. Je vais partir d'un truc qui n'a rien à voir, mais qui est important. Mon pseudo, c'est Croquette Chino. Avant, c'était Cro pour carreau, en fait. Mais en fait, mon pseudo, c'était Cro. Ce qui fait que je jouais beaucoup à des jeux en ligne, en ligne pas très connus, hein, mais des jeux avec des mecs, principalement. Et en fait, ils étaient persuadés que j'étais un mec. C'était marrant. Mais moi, je jouais pas de ça, mais je venais pas dire que j'étais une fille. Je m'inventais pas non plus. Mais je trouvais ça rigolo, en fait. Ou alors, je le disais à la fin, mais quand j'avais fait mes preuves. Du coup, là, il n'y avait pas de commentaires, tu vois, parce que c'était des jeux où il fallait. C'était des jeux de shoot. Quand ils avaient vu et qu'ils me connaissaient un peu, je leur disais, mais en fait, pour info, mon prénom, c'est Caroline, donc en fait, je suis une fille. Et je savais que c'était des gens qui étaient un peu comme ça, normalement. Et là, bizarrement, là, c'est différent, quand tu as fait tes preuves, voilà. Mais sinon, dans les commentaires, j'avais jamais entendu parler de ça, du fait de bien jouer. Oui, enfin, en même temps, c'est logique. Je pensais que c'était passé de mode, ça, mais OK, d'accord. Il y a toujours des gens qui le disent. Très bien. Et j'ai envie de dire, so what et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'on joue mal? Même si c'est vrai, OK, qu'est-ce que ça peut foutre? Non, mais sérieux. Bonne question, par contre. Qu'est-ce que ça peut faire, en fait? Je veux dire, on n'est pas là sur Twitch, quoi. Moi, c'est pas du skill que je propose. Je m'en fous, moi, de ce que tu penses de mon jeu, en fait. Si tu penses... D'ailleurs, moi, j'en joue. Justement, parce qu'il y a plein de fois où je fail et que j'y arrive pas, j'en rigole, en fait. Donc, tu peux me dire que je suis nulle. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je te connais ni Dave ni d'Adam. T'es là à me juger, à juger mon skill. So be it. Moi, je suis là sur Twitch. Je suis pas là sur Twitch pour faire du score. Donc, en fait, ça me dérange pas. Des gens qui vont dire ça, pour moi, c'est des gens qui... Enfin, après, je vais peut-être être un peu... Mais j'ai tendance à considérer dans ma tête, en fait, des gens qui sont comme ça, direct dans ma tête, je vois, OK, c'est des gens qui sont fermés, en fait. C'est des gens qui sont dans leur bulle et qui comprennent rien, en fait. Donc, c'est useless, sans intérêt. Moi, j'ai tendance à réagir comme ça, en fait. Quelqu'un que je connais pas qui va me faire une remarque comme ça, même dans mon chat, on peut parler de ces remarques sexistes ou autres, hein. Je m'en fous, mais vraiment, c'est pas un truc qui va m'affecter. Les choses qui vont m'affecter, c'est des gens que j'ai pu connaître ou des gens que je côtoie ou des gens, tu vois, même pas forcément des gens que je connais en IRL, hein, des gens dans Twitch ou dans Discord et qui vont, là, ça va un peu me peiner, ouais. Mais quelqu'un qui arrive sur un chat qui me dit, oh, t'es conne, t'es moche, ou des remarques sexistes ou autres, alors, quand c'est trop pété et exagéré. Je dis, bon, allez, il y a du ménage à faire et je le prends sur le ton de l'humour et puis basta. Et ça me roule dessus, vraiment. Alors là, je m'en fous complètement. Vraiment. Ça ne m'atteint pas du tout. Par contre, il y a des choses que je n'accepte pas. Typiquement, il y a des gens qui arrivent et qui sont un peu entre deux. L'autre coup, j'avais eu un coucou. C'était quoi les modos? Je ne me rappelle plus. C'était coucou bébé ou je ne sais pas quoi. Un petit nom. Je ne sais pas quoi. Ah, ça, par contre, non. Ça, je mets la limite directe parce que c'est quelqu'un que je peux pas ban.
mais qui se permet des choses. Et non, ça c'est non. Ouais, c'est j'ai dit, alors par contre, non, les petits mots, voilà, non. Je suis pas, voilà. Je te connais pas. Alors déjà, de base, j'aime pas ça. Donc, non, on va, voilà, faut se calmer un peu. Et voilà, faut dire les choses quand ça nous plaît pas, je pense, gentiment, sans rentrer dans l'art. Mais après, moi, j'ai tendance à être maladroite et souvent, on me voit comme quelqu'un de sévère. Je sais pas, j'ai souvent des remarques de gens. Mais c'est parce que peut-être dans ma manière d'exprimer mes émotions physiquement parlant, ça a l'air d'être comme ça. On me prend souvent pour quelqu'un de stressé. C'est juste que souvent, je suis passionnée par ce que je dis et du coup, ouais, je sais pas. Enfin, c'est souvent un retour que j'ai, mais je me vois pas, moi. Donc, voilà. Donc, je sais pas. Peut-être que des fois, je suis trop sévère dans mon ton, mais en même temps, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Je sais ce qui m'atteint et ce qui m'atteint pas. Ça m'empêche pas, des fois, d'être blessée, d'être surprise par des choses. Hein. Voilà, je suis humaine et je suis pas un robot. Maintenant, être une nana sur Twitch, je sais pas. Moi, j'ai un ressenti particulier parce que comment dire, j'ai pas eu vraiment de. J'ai eu des trolls, évidemment, comme toutes les filles. Mais ça m'a jamais vraiment, comme je t'ai dit, affecté. Enfin, si tu veux, à un moment donné, moi j'ai 35 ans, quelqu'un qui vient et qui me dit t'es moche, oui, bon, et alors, enfin, franchement, je m'en fous, quoi. Enfin, ah merde. Ça change à ma vie, tu vois. Enfin, ouais, ah. Ouais. Non, mais c'est le chat encore. Ah bah oui. Et donc, ça change rien. Maintenant, voilà. Bon, l'image que tu as sur Twitch, je sais aussi que je me maquille pas. Je suis pas une nana qui s'habille, tu vois. Bah, parce qu'il y en a, faut le dire, faut dire les choses aussi. Il y a des nanas qui jouent de leur physique aussi. Et elles n'ont pas forcément tort. Si elles ont envie de jouer de leur physique et que ça marche, bah, pourquoi pas. Moi, je n'ai rien contre hein, en soi. Juste moi, ça ne m'intéresse pas. Et je ne suis pas comme ça. Et puis surtout, voilà, ce n'est pas mon délire. Et je ne suis pas une bombe atomique. Donc, je ne vais pas attirer des gens comme ça, je pense. Donc, du coup, forcément, moi, je suis un peu plus protégée que certaines. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est comme dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Il y a moi et puis il y a des gens qui sont des top modèles et là, elles sont plus emmerdées. Franchement, je suis mieux dans mon corps, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, que dans l'heure, parce que oui, ça va être chiant. Donc voilà, après, être une femme sur Twitch, je pense que... Oui, je trouve ça triste par contre. C'est quoi mon avis là-dessus? C'est que je trouve ça triste par contre. Voilà. Moi, ça ne m'affecte pas, mais par contre, je trouve ça triste qu'on juge les femmes... Encore une fois, quoi, on est en quelle année, bordel? Enfin, c'est bon, le jeu vidéo, c'est pas réservé aux mecs. Oui, forcément, les mecs étaient plus intéressés. Peut-être que les... Je sais pas si c'est sociétal, j'en sais rien. Pourquoi on dit qu'il y a plus de mecs sur les jeux vidéo que les filles? Je sais pas. Alors, franchement, j'en sais rien. Hein. Moi, j'ai toujours aimé le jeu vidéo et je pense pas être la seule. La preuve, dans le chat, il y en a plein des filles, là. Oui, et femmes, ça, c'est 50-50 hein, sur le jeu vidéo, aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense que c'est vieux jeu de dire ça, c'est très sexiste, c'est réducteur et surtout, c'est un manque d'intelligence et d'ouverture, franchement. Quel intérêt, en fait, j'ai envie de dire, de discuter avec des gens comme ça, tu vois, c'est triste. Maintenant, est-ce que j'ai la main dessus? Non. Pour autant, je vais pas rien dire, c'est-à-dire que je vais pas rien faire. Quelqu'un qui me sort un truc comme ça, bah, il dégage, hein, ou alors il va changer, il va baisser d'un ton, il va changer sa manière de parler, ou sinon il s'en va, parce que... Moi, j'accepte pas ça, quoi. Je suis pas une féministe acharnée, non, parce que j'estime que des fois, ça en fait trop. Pour autant, je pense qu'il y a, voilà, il y a un juste milieu à trouver, en fait. C'est comme tout, tu vois. Je pense qu'il faut respecter les mecs, il faut respecter les filles, il faut respecter le fait que, bah oui, certes, c'est un milieu qui est peut-être plus masculin. Pour autant, il y a aussi des filles, elles ont leur place. Et il y a des filles qui skillent, peut-être moins. Peut-être parce qu'effectivement, il y a ces styles de jeu qui nous plaisent plus que d'autres. C'est un fait. Pour autant, on n'a pas à être exclu de tel ou tel type de jeu. Je trouve ça dommage. Oui, Kayane, elle fait bien, elle est bien joueuse professionnelle championne du monde de Soul Calibur et de. Voilà, donc bon, voilà, je pense qu'on a des exemples de nanas qui sont quand même skillées. Et oui, bah après, on a peut-être des envies différentes. Je trouve ça dommage de genrer, tu vois, et de partir dans des débats de genre. Voilà, je trouve ça triste. Et je pense que faut pas trop. C'est important de dénoncer et de ne pas fermer sa gueule quand ça se passe. Pour autant, je pense qu'il faut que ça, faut pas mettre ça sur un piédestal non plus. Tu vois ? Non, voilà. C'est, enfin, oui, voilà, je veux dire, en stream, en live, tu vois, voilà. De ne pas trop en parler longtemps. C'est ça que je voulais dire. Voilà, quand ça t'arrive, tu vois, de pas... Mais après, ce n'est pas facile parce que des fois, ça te remonte, ça te met dans des états émotionnels. Enfin, en fait, là où c'est dur, c'est quand ça touche à l'émotion. Parce que du coup, tu as envie de réagir et de défendre... Oui, bien sûr. Des choses que tu trouves pas sages. Enfin, puis des fois c'est useless aussi, peut-être que des gens s'amusent, tu sais pas. Donc
Mais ouais, être une femme sur Twitch, après, j'ai pas eu vraiment de difficultés particulières. Peut-être, bah, moi, je suis à une petite échelle, encore une fois. Peut-être que quand tu grandis, c'est dur de prendre ta place. J'en sais rien. Je pense que Je oui, sais il y a pas. sûrement y a de Ouais, ça aussi qui joue. Hein. Moi, peut-être. je pense à là de tête, j'ai bah, je pense à OP, OP Crotte, qui a pas mal Ok. percé. Et OP, par hasard, en fait, on avait discuté à l'époque où elle avait très très peu de viewers et tout, et où c'était déjà un peu la merde pour elle. Et je sais que c'est un truc dont elle parle pas mal maintenant sur Twitter. Voilà, à Ok, chaque fois ok. qu'elle a des relous, elle affiche un peu en mode j'ai plus votre Mais temps, voilà, j'ai plus votre temps, on n'est pas là pour que vous nous le fassiez perdre. Donc, tu viens, tu pars en ban et on discute même plus. Voilà. Dame Dame c'est aussi qui est un peu pareil. ouais, bah Magla aussi, elle en avait parlé il n'y a Magla. pas longtemps. Elle Merde. est en train de se tâter. Magla, ça fait un moment qu'elle est en plus. Et elle est en train Oui. de se tâter pour la première fois à réserver ses rediffs au sub parce qu'elle en a marre qu'on utilise son image sur les trucs porno là. Oui, bah oui. Elle en a marre. Et puis Et. Magla, en même temps, c'est allé jusqu'à la menace de mort aussi. Hein. Ouais, bah, Jill aussi, je crois, elle a eu des trucs comme ça. Et Ah, c'est pour ça, Jill, tu vois, t'as en vu. plus de ça, tu vois, on parlait tout à l'heure de grandir sur Twitch en tant que meuf. Quand j'entends, même ne serait-ce que Pépipin, l'autre coup, qu'en parlait, je crois, franchement, ça fait peur. Hein. Je vous jure, ça fait peur. J'ai pas envie. J'ai pas envie de ça du tout. Donc, ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, que je dis pas dans quelle boîte je travaille et ni sur quel projet je travaille, parce que j'ai pas envie de faciliter la tâche aux gens. Donc, Oui, pour en non mais trouver. tu Mais fais bon. très bien. On a eu quelques réactions d'ailleurs sur ce sujet. Je vois dans le chat, on avait la fée Pardon. Barbotte qui nous dit, voilà, non, non, très premier degré du coup, amourante, excellent exemple d'à quel point tu dois t'investir sur tous les fronts pour que ta chaîne tienne. Pourtant, ces mascus oui, voilà, résument ça à leur fesses, mais bah oui. Oui, Amourante qui a fait pas mal de hot tubs, si vous ne connaissiez pas, mais en vrai, enfin Amourante, c'est vrai qu'elle passe, elle est H24 sur Twitch, hein, je crois. Hein. Ah Sans compter bah. tout ce qu'elle fait à côté avec le. Je crois qu'elle a un OnlyFans et un mime. Donc elle est. Ouais, la meuf passe son temps à bosser, clairement. C'est toute sa Alors, journée. on peut dire ce qu'on veut de son contenu. On peut avoir un avis qu'on veut, mais je suis désolée, cette meuf, elle bosse de ouf. Ah bah Je oui, sais mais pas bien quand est-ce qu'elle a du temps libre, en fait. Non, mais bah par contre, exactement. là-dessus, je l'admire de ouf. Ah Parce oui, que non mais c'est. puis Elle fais est ce que dans tu son veux. truc, et peu importe le contenu que tu adhères ou que tu n'adhères pas, la nana, elle travaille et elle fait bien son travail. Je suis désolée de le dire, Ah mais c'est oui, non, vrai. mais c'est Elle fait bien une. son travail et elle a conscience. Elle n'est pas conne, hein, elle est loin d'être bête. Et voilà. Et je pense que des fois, il faut aussi respecter. Voilà, c'est un contenu qui te plaît ou qui ne te plaît pas, que tu peux trouver Oui, pauvre, ce voilà. que tu En veux. fait, c'est ça, N'empêche qu'il y a des c'est. gens pour regarder, que ça marche, et mine de rien, bah, elle a son business et ça fonctionne. Donc, Bye. et a priori, elle apprécie parce que sinon, elle ne serait pas là et elle Bah c'est bosse très ça. dur Et pour y puis en arriver. plus, enfin ça Donc, voilà, je on peut pense qu'il faut râler respecter sur. aussi. Si vous voulez râler sur les hot tubs, vous avez qu'à regarder le succès du stream hot tub qu'il y a eu avec c'était Dame Dame, Oh, ah Dame ouais! Dame Moment, MV, et j'ai oublié qui d'autre. Voilà, vous regardez ce truc, bon, bah voilà, c'est. Ah, attendez, j'ai le chat qui a fait. Non, c'est bon. Le chat qui a fait des bêtises. Mais oui, voilà. C'est que bon, si c'est peut-être pas le contenu qui vous gêne, Faut, c'est la personne, mais voilà. on peut au moins respecter le travail qu'il y a derrière, je Ouais, pense, non. parce que tout le monde Elle n'est pas bosse. capable de faire ce qu'elle a fait. Donc Ah non. voilà. Et Moi, puis je suis bah. pas fan du contenu, hein, je le Je sais dis pas. haut et fort, je suis pas fan, c'est pas mon délire du tout. Mais je suis désolée, j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'elle fournit et Elle a bah, un ça rôle. marche, elle est là et elle gagne sa vie, donc c'est que il y a de quoi faire. Et Et la fée je Barbotte vois nous pas dit qu'elle a pourquoi. Hein. même. Ouais, je vois que la fée Barbotte nous dit qu'elle a même un refuge animalier, apparemment. Bon. Bon, bah Et voilà. ben voilà, elle ne Bah ouais, s'ennuie mais pas. bon. Elle ne s'ennuie pas, mais c'est ça. Ouais. Et par contre, j'avais des gens qui avaient réagi à ce que tu avais dit tout à l'heure. Il y a des gens qui disaient, je regarde Croca pour son non-skill. Il y en a qui vont prendre des time-out hein, au prochain stream. Non, oh non. Oh, tu non, sais, pas. ils me disent ça. Oh, ils disent ça dans mon chat, hein. Ah, Mais pas de souci. Mais tu viens pour mon no-skill, mais tu viens pour. Mais j'ai pas de skill, moi, en fait. Si, je peux en avoir hors live, ça arrive en stream, mais c'est rare parce que bah, Oh. je sais très bien que je suis pas concentrée et que. Au contraire, Oui, c'est bah ça qui est oui. drôle et c'est là qu'on Bien se sûr. marre, en fait. Moi, j'adore me planter. Qu'est-ce que c'est drôle. Ah ben voilà, c'est un peu ce que dit Luciole aussi. Au contraire, je trouve que ça ajoute de l'humain et du naturel de pas être ultra stylé C'est et tout ça? réussir d'un coup, bien sûr. Ouais. Et puis après, c'était bon, les messages, oui, par rapport à ce que tu avais Mais reçu justement. récemment, voilà. Je rebondis juste vite fait là-dessus parce Oui, que, en fait, à la base, je suis quelqu'un qui aime vachement contrôler les choses et tout réussir. Donc, quand j'ai démarré Twitch, c'était ça, tu vois, pour moi. Fallait que je réussisse le truc, fallait que je réussisse les quêtes. Ça m'arrivait de rage quit parce que j'y arrivais pas, hein, vraiment. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte, en fait, c'est drôle, tu vois. Je regardais, il y avait des clips qui étaient faits, et en fait, ça me faisait rire. Je me dis, mais en fait, et en Bien fait, ça sûr. m'a fait, c'est quand je dis que Twitch m'a beaucoup apporté, il m'a apporté ce lâcher prise de.
mais en fait, c'est cool, c'est drôle de failer, en fait. Mais c'est, mais tu te rends pas compte, mais moi, dans ma construction et mon fonctionnement, c'est une putain d'avancée, parce que je suis mais pas comme ça du tout à la base, tu vois. Donc c'est cool. Bah ouais, faut apprendre l'autodérision, voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est je trouve cool. Ça cool. Et puis en plus, Twitch, des fois, ça te motive à avancer justement là où tu te serais arrêté. Moi, ça m'a... Bah, Twitch, c'est ce qui m'a permis de finir mon premier Souls, Dark Souls. J'ai fini. Ah ouais, grosse partie ouais de c'est vrai. Parce que ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'étais allé jusqu'au bout plein de fois, en fait, et j'arrivais pas à battre le boss de fin. Et bah, grâce au streamer qui m'avait filé des conseils. Et puis à chaque fois que je streamais, il y a toujours une ou deux personnes qui étaient à genre, allez et tout. Et je crois que j'ai fait presque. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai fait deux streams sur le boss de fin qui ont dû durer 2 ou 3 heures en tout, hein, quand même. Ah ouais, quand même. Ce qui est... Ah ouais, non, c'était. Alors qu'il est pas compliqué en plus. C'est vraiment un boss qui est très très simple. C'est ça le pire. C'est peut-être un des plus simples du jeu. Mais je sais que j'aurais déjà abandonné si je l'avais pas fait. Et Bloodborne, pareil. Bloodborne, il y a des boss que j'ai tryhard à fond parce que les gens étaient là et les gens disaient, allez, vas-y, on peut y aller. Ouais. Voilà. Alors moi, ça m'est arrivé sur deux jeux, je les ai en tête, Alien Isolation et Hollow Knight. C'est des jeux que j'avais fait hors live, avant même de stream, et que j'avais abandonné parce qu'il y avait un truc que j'arrivais pas. Hollow Knight, premier boss, j'arrivais pas, vraiment, je trouvais ça trop galère, et j'avais abandonné en fait. Et tout le monde me dit, allez, mais si stream, ok, je stream, et j'arrive au point fatidique, je me dis des gens, vous savez, c'est à ce moment-là que j'ai abandonné. Et en fait, avec le stream, tac, ça coulait tout seul, quoi. Je vois, mais c'est con, pourquoi j'ai... Et comme quoi, des fois, tu vois, tu as des choses que tu fais qui en stream te débloquent, en fait. C'est ça, parce que tu as un contexte. Et puis des fois, même, tu t'impressionnes, en fait, voilà, à battre des boss alors que tu te bats. Moi, Bloodborne, c'est j'ai eu beaucoup de moments comme ça à jouer, puis à me dire, mais en fait, ce boss, je l'ai battu first try, très probablement parce qu'il y avait le stream, il y avait l'énergie du stream, des trucs comme ça que j'aurais peut-être pas réussi et que j'aurais fait en 2-3 coups et tout. C'est ça. Et là, ça me donne presque envie de recommencer Elden Ring exprès, tu vois, juste pour streamer. Mais oui, c'est ça. The Last of Us aussi, Laran. Ça m'était arrivé pareil, The Last of Us 1. Je m'étais arrêtée parce qu'à un moment donné, on est suspendu à la tête en bas et on doit tirer. Et je suis pas une joueuse manette. Mais quel enfer! Et même quand je les stream, je crois que je me suis ratée 3, 4, 5 fois parce que j'arrivais pas à viser, quoi. Et ça me faisait rager vraiment, quoi. Mais au final, j'ai réussi, j'ai pu continuer. J'ai fait le 1, j'ai fait le 2, j'ai fait le DLC. Jamais j'aurais continué sinon, tu vois. Donc, ouais. Ah ben moi, je sais que justement, j'ai fini The Last of Us 2 parce que je le streamais. Parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup moins apprécié, mais c'est le stream qui m'a permis de voir la fin quand même. Et de me dire, ok, là, je l'ai fini. Je pense que je l'aurais pas streamé. Jamais je l'aurais terminé. Ouais, tu l'aurais fini. Ouais, moi, il y a plein de jeux que j'aurais jamais fait. Il y a plein de jeux de Outlast. Jamais de la vie, j'aurais joué à ce jeu. Jamais de la vie, j'aurais joué. Et j'ai joué à ce jeu parce que c'était drôle à faire en live, en fait. De te faire des jumpscares. Ah non, c'est pas du tout mon style à la base. Tu fais les Silent Hill aussi ou pas? J'ai pas fait encore. Tu veux pas? Je crois que dans les prochains jeux. Non, je vais faire les. C'est Man of Medan. Man of Medan, Les Dark Pictures. Until Dawn et tout. Oui. D'accord. Ouais, parce que ceux-là, je les ai pas fait, j'ai envie de les faire. Ça va. Sinon, après, je recommanderais, t'as Project Pity qui a été remade. Ah, mais t'es un fan de jeux d'horreur, en fait. Ah, mais moi, je suis un énorme fan. Bah, Silent Hill, c'est ma saga préférée. Ah ouais. Et moi, Bah, arrêtez de taper des commandes peur plus. Bah, ça marche pas. Donc... ça marche pas sur ce chat. Voilà. Mais ouais, non, je suis un gros, gros fan de jeux d'horreur. Et justement, j'attends les. Bah, là, il n'y a rien pour l'instant en ce moment. Il n'y a pas grand chose. Il y a eu quoi? The Quarry qui est sorti. Un autre, là, je sais plus. Mais bon. Mais The Quarry, c'est aussi. Ouais, mais c'est très narratif comme Until Dawn. Donc ça fait un peu peur. Mais c'est pas. Tu vois. C'est pas. Ouais, mais. Ouais. Mon dernier, c'était. Enfin, un jeu d'horreur, entre guillemets, c'était RE8. Et en fait, au final, à la fin, tellement tu rushes le jeu comme RE7, bah au final, je trouvais qu'il faisait plus très peur. Donc, je les ai fait quand même. J'ai pas fait les Resident Evil aussi. Mais Outlast, par contre, ouais, j'avais adoré le 1 et le 2, pareil, je l'ai pas fini parce que je crois que j'en ai eu marre. Juste. Ouais, bah mon frère l'a fait, là. Je sais pas s'il l'a terminé d'ailleurs. Mais ouais, moi j'avais fait le 1, j'ai fait le DLC du 1 et le 2, il paraît qu'il est plus morbide que peur. Et du coup, ouais, je sais pas. Le 2, je parle plutôt. Pas le 8, quoi. RE8. Non, Outlast non. 2. Ah non, j'avais Outlast, pardon, excuse-moi. Outlast 2. Non, RE8, Resident Evil, j'en ai fait aucun encore. Donc, bon, après le 8 et le 7, c'est ceux qui font le moins peur, je pense que tu peux y aller. L'idée, ce serait que je refasse depuis le début, tu vois. Ah oui, alors sinon, tu as, par contre, attendez, parenthèse, on a ce très bon jeu là qui va être remake, je me permets, parce que c'est le mini flex, mais voilà. Alone in the Dark.
Alors ça marche pas très bien, mais c'est parce que la caméra fait pas la mise au point. Alone in the Dark. Alors là, il y a le 1, 2, 3, hein, d'accord? C'est la Ah, version Alone in PC. the Dark, ok. C'est la version PC MS-DOS, d'accord? Qui ne marche plus aujourd'hui. Que j'ai juste Ouais, en souvenir. c'est à l'époque, moi aussi, je les ai encore, les boîtes de jeux de l'époque, moi. Mais voilà. Mais le premier va être remake. Et Alone in the Dark, si tu as le moyen un jour de le faire, ça a inspiré Silent Hill. C'est très très moche. Mais et c'est du coup Mais il très fait nul, bien. très nul. Ah bah c'est très nul en termes de contrôle, donc t'as peur à cause de ça. Parce que tu peux pas vraiment courir. Ah ouais, mais c'est ça, mais Outlast, c'était Voilà. infernal pour ça. Enfin, t'as rien en fait, t'as juste une lampe torche et c'est Une horrible caméra. en fait. C'est ça. Et C'est une affreux. caméra. Mais c'est ça qui est bien en fait. Limite, je préfère ça. Ça Après, peut ce qui est être un très peu cool. débile, c'est que tu croises des balais, des machins, et à aucun moment donné, tu t'équipes d'un truc pour te défendre. Je trouve ça un peu nul, quoi. Tu vois, Ouais, non, non. Le mec, il a juste envie de taper son meilleur. Ah, tu vois, ouais, voilà, c'est ça. Avec une très bonne séquence que moi j'avais adoré, je me rappelle, celle-là m'avait foutu un coup de stress, t'es dans une espèce d'hôpital avec deux mecs tout nus qui te suivent, et en fait tu récupères ta caméra, parce que tu l'as pas pendant toute la séquence, et quand tu la Ouais. récupères, tu l'allumes et il y a plein d'ennemis autour de toi, et le perso panique, et tu dois juste courir, et en fait tu passes Ah toute oui, une et t'as des partie de couloirs. l'hôpital, ouais, t'as des Aïe, couloirs aïe, partout, des trous, des machins, et ce aïe, ouais. passage-là, je me rappelle, Un m'avait redonné un petit coup de. petit T'es coup de genre, stress, oh, quoi. on s'ennuie un peu, ah, on s'ennuie plus. Très bon choix de jeu. Là, ouais. Oula, attends, on a plein de messages. Attends, du coup, le stream Ça parlait passe sa d'Outlast. contrainte, ouais, permet de donner une motivation, machin. Je sais pas comment t'as fait pour faire Outlast. Ah oui, Gwen, oui, Rildra qui réagissait à Dark Souls. Gwen, Ouais. c'est celui qui m'a posé le plus de problèmes. Bon courage pour Elden Ring, du Il a coup. beaucoup aimé Red ouais. Mais je sais pas si tu Mais comptes le faire, je pense Red Dead Ring, je sais plus. si Je tu crois comptes que le oui. faire, voilà. Moi, j'ai pas battu la deuxième phase du boss de fin, donc j'ai abandonné au bout de 30 essais. Va falloir faire la suite d'Outlast. Ouais, il n'y a pas eu de jeu récent Silent Hill. Alors, il y a un jeu qui va Ouais. sortir Silent Hill l'année prochaine qui se passe à Londres. Sinon, les derniers, c'est principalement des remakes qui sont des remakes des premiers et tout. Voilà. Mais si vous voulez faire du Silent Hill, moi je recommande très fortement le 2 et le 4 qui Ok. sont complètement différents tous les deux. Mais voilà, le 4 est très très dur, mais le 2 est pas mal et c'est un des plus connus. Et voilà, par contre, il faut s'accrocher, les histoires sont assez rudes. Faut, voilà. Pas avoir trop de trauma quoi. Moi, Mais c'est plus les traumas hôpital psy. Donc, tu vois, Outlast, c'était parfait. là, du coup, C'était génial, voilà, parfait, impeccable. terrible. Moi, j'ai trop du mal avec ça. Ça me rend mal à l'aise. Ah, non, il n'y a pas ça dans. Si, il y a un peu ça dans Silent Hill 4, donc fais le 2. Voilà. Ok, ça Mais ouais. marche. Oui, c'est qu'Outlast, ouais, c'était pas. Outlast 2, c'est Bah, l'école. Voilà. c'est pour ça qu'on me l'a offert et que j'y ai joué du coup, parce qu'on me l'a offert. Mais j'ai bien, c'était une belle découverte. Bah, tant mieux. Voilà. Ah oui, et la reine qui dit pour ceux qui souhaiteraient tester la série Resident Evil, il y a un lot quasi complet de RE en ce moment pour pas trop cher, Ah oui, mais c'est le Humble Bundle. À c'est partir de vrai qu'il 30 faudrait que je le balles, prenne. vous avez, je crois, RE1, RE4, RE0. 0 qui est quand même assez galère à trouver à bon prix de mémoire. RE Révélation 1 et 2, mais sur PC uniquement. Mais qui sont plutôt Ouais. bien. Le Révélation, je l'avais fait sur DS et c'était pas mal aussi. Il y a un truc stylé à la Giger, genre Alien. Scorn qui a l'air bien gore, je connais pas. Non, ça te parle pas, Conca. De quoi? Pardon, Je sais pas, excuse-moi, j'étais quelqu'un qui allée a dit, voir le. pardon. Il y a le truc stylé à la Excuse-moi. Giger, genre Alien, Scorn. Bon, Ah, ça je me. connais pas. Non, je connais pas. Je l'ai pas, Je vois. Karma. Ouais. Désolé, ouais. Karma quand même mappé. J'ai vu. Ah oui, la nécromancie par THQ Nordic qui ont ressuscité deux ou trois licences, dont Alone in the Dark. Oui, bah c'est très bien. C'est très bien qu'ils aient fait ça, d'accord. Mais 30-40 Oui. tentatives pour battre le boss de fin de la trilogie dans Dark Souls 3. Bah oui, donc. Ah oui, non, alors si, je me rappelle plus du boss de fin du 3, faudrait que je regarde. Mais bien, bien, ça va, 30-40, je trouve ça honnête. Mais justement, bah, je pense à Romain qui dit j'ai commencé Elden. Si jamais t'as le courage, essaye de faire Malenia, qui est le boss le plus dur de la série de tous les Souls. Je l'ai toujours pas battu. Je vais Ah en être à bah, tu vois. 50 try et j'ai abandonné parce que Malenia est très, 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 très dur. Voilà. Et j'espère que tu vas kiffer en tout cas. Ah, j'espère aussi. Mais je J'espère pense que que tu vas oui, kiffer. Romain, il a adoré les Dark Souls, il a découvert ça cette année, je Voilà. crois. Et ouais. Ah, voilà. Et à 50 subs, Croca fait Elden Ring en entier, les yeux bandés. Voilà. Oui, alors. Ah, non? Ça Oui, m'avance. non. Non? On va se calmer, je sais pas. Bah déjà j'aimerais bien, mais je me demande si je devrais pas faire Elden Ring quand même un jour. J'aimerais bien tenter parce que j'ai jamais Bah, fait. moi, je Et conseillerais Bloodborne avant, si jamais. Parce que Elden ouais, Ring est Bloodborne très avant. très bien, mais Elden Ring est très très long. C'est un Ouais, peu le truc. C'est genre c'est un si peu le t'aimes pas trop, problème. c'est long avant que ce soit intéressant. Bloodborne, ça peut se terminer en 10 heures. Ok. Je crois qu'on l'a fait en 3 streams ici. Même si t'es pas un habitué, voilà. Si t'aimes bien Bloodborne, t'aimerais bien Elden Ring.
Mais genre, si t'achètes Elden Ring et que tu kiffes pas, enfin, après, vous faites ce que vous voulez, c'est tes viewers, c'est ta chaîne, machin, mais... Ouais, faudrait que je regarde. Parce que j'avoue que, je sais pas, c'est un type de jeu que j'ai jamais fait. Après, ce qui m'embête, c'est surtout que j'ai pas trop le temps. Tu Ah vois, moi, oui, je fais bah des là... streams de 2 heures. Le temps Oui, bah là, de non, deux, c'est... trois heures, c'est... Tu vois, ce Non, serait cool non. que je fasse ce type de live, mais en ayant du temps. Parce que sinon, voilà, quand c'est des jeux un peu longs, je trouve c'est Bah, frustrant, c'est sinon. très long, ouais. Bah, ce que dit Ouais. Romain, je suis d'accord, voilà, il est abordable, Elden Ring, par rapport à Dark Souls. Alors oui, il est même très proche, comme je disais, voilà, pour moi, c'est très proche de Bloodborne dans la fluidité, le fait de pouvoir faire des jumps, rouler, etc. C'est top, mais voilà, c'est super long. Donc quand tu joues seul, c'est bien, parce que tu peux faire des sessions de 5-6 heures, t'as un monde ouvert qui est immense, t'as plein de trucs à faire et plein d'armes à tester pour tous les niveaux, tous les types de joueurs, mais c'est long. Et si tu veux faire un stream, pour moi, Bloodborne passe mieux parce que bah, Bloodborne, ouais, c'est... je crois que j'ai mis 8 heures à le faire. Donc pour un non-habitué, c'est 10-12 heures à tout casser. Ouais, bon, tu peux Voilà. compter le double pour moi en fait, du coup, Oui, parce bon, allez, 20 heures. que Vingt moi heures, voilà. je suis en train de regarder parce que je me rappelle plus. Je crois que celui-là, mais c'est marrant parce qu'on me les a jamais proposés. Bloodborne, j'entends. Dark Souls, Ah oui. oui. Ah bah Bloodborne est quand même moins Bloodborne. rigide. Hein. Dark Souls, c'est... Moi j'adore, hein, mais c'est... Voilà. Les sorts qu'on peut enchaîner, dit Romain, c'est pratique. Oui, mais après, voilà, Elden Ring, il est fait pour faire des gros builds de bourrin et tout, et avoir les meilleurs sorts et faire des trucs très jolis. Hein. C'est de l'esthétisme. C'est très bien, hein, mais voilà. C'est... Ouais, c'est ça. Faut avoir le temps. Bah ouais, faut avoir le temps. Et puis je pense qu'il y a des jeux, tu vois, qui nécessitent d'avoir une durée de stream quand même assez, tu vois, importante, quoi, quand tu fais des streams plus courts. C'est sûr, moi, c'est un choix que j'ai dû faire. Hein. C'était soit j'arrêtais. Enfin, en fait, quand t'as trop de projets, t'es obligé. Enfin, bon, bref, là, on revient sur un autre sujet. Mais après, en même temps, non, mais c'est bien parce que tu parles des projets, il me semble. Attends, si je dis pas de bêtises. Plus d'idées, ouais, tiens, je vais terminer sur cette question, Joanie. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on parle, on parle, on parle, mais Ah, commence à mais être c'est infini, tard. hein. Moi, je démarre, je me réveille à 5 heures demain, donc. Et si tu bosses demain, oui, c'est un peu chaud. Voilà. Je vais arriver à 7 heures dans un foyer vide, mais il faut que j'arrive à 7 heures, parce qu'on a une badgeuse. Oh mon Dieu. Non, en vrai, moi, j'ai un truc qui m'impressionne chez toi. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais il me semblait l'avoir vu il y a quelques mois déjà. Je crois que tu as un tableur Excel. Des projets en cours, des streams à faire et machin, si je dis pas de bêtises, que tu avais déjà Non. montré, non? Alors je confonds Ah, avec... non? si, bah, j'ai un planning, oui. Oui, alors c'est un planning peut-être. Pardon. J'ai un planning. Ah non, mais moi, tout est dans des tableurs, Un effectivement. Google Mais Doc, voilà. j'ai un Google Doc et j'ai des Google Docs pour les jeux que j'ai fait, quand, à quelle date, combien de temps. Enfin, bref. Ouais, j'aime bien. Après, j'ai un tableur juste pour mon planning, en fait. Juste pour. En fait, je fais un screen que je mets dans le Discord après. Mais Où ça est-ce que permet surtout tu... aux gens de Ouais. savoir ce que je fais. Mais alors, où Voilà. est-ce que tu trouves l'énergie pour ça? Parce que je trouve l'idée trop bien de pouvoir dire j'en suis à tel jeu, j'ai joué à telle date, j'ai fini, j'ai machin pour les gens qui rejoignent et tout. Mais où est-ce que tu trouves l'énergie de faire ça? Parce que c'est, bah mine de rien, c'est du temps en plus, quoi. C'est 5 minutes par-ci, par-là, par... Bah voilà, c'est. Oui, je sais pas. Je sais pas te répondre. Pas de secret. Je sais pas. Du Merde. temps, bah du temps, quoi. Ouais, mais enfin, je pense que je m'investis énormément, c'est sûr. Moins maintenant, parce que ça m'a bouffé beaucoup. Même si j'adore ça, mais c'est juste que, en fait, à un moment donné, j'aimerais avoir 48 heures par jour, vraiment. Mais c'est pas possible. Donc j'ai dû faire des choix, et encore, même aujourd'hui, avec les projets que j'ai, la boutique en ligne, le Droguezer. Les projets que j'ai à côté, les sites internet et tout ça, enfin, comment tu veux qu'à un moment donné, moi, j'ai plus de temps. Donc, Oui, j'ai c'est même ça. pas de temps pour moi. Oui, Donc, en fait, du coup, tu le réduis vraiment au strict minimum de ce que tu veux faire maintenant, pour ouais, avant, faire. je développais, je faisais des overlays, je réfléchissais. Je le fais de temps en temps, mais j'y passe plus autant de temps qu'avant. Parce Mais ben. que c'est trop. Parce que je travaille déjà. Il y a la période où je bossais beaucoup ça, c'était le moment où j'attendais, c'était enfin, pré-confinement, mais où ils étaient en train de mettre en place le télétravail, mais pas encore, et puis ils attendaient d'avoir des projets. Bah, j'ai eu quasiment 6 mois où j'avais rien, donc j'étais au chômage, mais je savais que ça allait arriver. Bah, pendant 6 mois, j'avais du temps. Donc là, oui, et j'avais pas ma boutique, j'avais pas, tu vois, là, je pense que si j'ai du temps, je vais me consacrer à la boutique en ligne, tu vois, plus qu'à mon stream. Parce qu'en fait, encore une fois, là, je rejoins un sujet qu'on avait abordé très rapidement et très vite fait, c'est le fait de l'investissement, tu vois, que tu vas mettre, que ce soit en termes d'argent ou de temps. Qu'est-ce que tu as envie? Et ça dépend de toi pour le coup. Parce que tu peux très bien être passionné, faire ça pour 10 viewers, et il y a des gens qui ne feraient pas ça s'ils n'avaient pas 100 viewers, tu vois. Moi, j'ai décidé que bah, j'arrêtais de. Ça servait à rien que j'investisse plus de temps, sauf si vraiment ça me fait kiffer. Parce que bah, ma commu, elle est à 30-40 et c'est bien. Et j'ai pas spécialement. Elle est déjà bien. Elle est déjà bien mon stream, tu vois. J'ai pas besoin de.
de rajouter tel overlay. C'est cool si je le fais, mais c'est pas grave si je le fais pas. Alors qu'au tout début de ton stream, bon bah, des fois tu vas te dire ah, ce serait cool que j'ajoute ça quand même, c'est important. Et donc du coup, je vais y passer beaucoup de temps. Mais tu vois, j'ai fait un Excel pour ma config, j'ai fait un Excel pour le nombre des jeux que j'ai. Mais en fait, ça me sert aussi. Oui, en fait, à part le planning, effectivement, tous les autres tableaux Excel me servent en dehors, en fait. C'est-à-dire que moi, les jeux, des fois, je sais, ah tiens, je l'ai fait, je l'ai fait quand ? Ou tiens, qu'est-ce qui me reste comme jeu à faire ? Et comme j'ai mis multi, etc., bah, je classe et en fait, c'est vite fait. La config, ça me sert énormément pour notamment le schéma que j'ai fait et que j'ai rendu disponible quand je débranche tout. Parce que je ne sais plus où est-ce que je rebranche après, sinon. Donc, tu vois, ça me sert à moi, en fait, d'abord. Et c'est encore une fois, j'en reviens à ce qu'on disait au niveau de l'investissement financier ou même de temps. Bah, je fais attention à ce que, quand je fais quelque chose, ça puisse me servir et que ce soit pas... Ou alors, j'ai le temps et je kiffe. Mais souvent, c'est double emploi. J'essaie de faire en sorte que ça puisse me servir à moi ou que ça nous fasse gagner du temps, à moi et au modo, tu vois, par exemple. Si ça me fait gagner du temps, c'est worth it. Sinon, non. Tu vois, enfin... Donc, ouais, c'est un pour et un contre. Mais c'est oui, j'aime bien. Aussi, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. Non, on le voit déjà juste à ta bibliothèque derrière où tout est très droit et tout. Tu rigoles, c'est le bordel. Ah oui, voilà. Bah, si on compare, moi, on voit déjà, même s'ils sont fous, on voit que les DVD sont pas droits. Parce que moi, j'ai plus de place et que tout est droit parce que tout est calé et il n'y a plus de place. T'inquiète. C'est ça. Ouais, tu n'avais qu'une autre activité, disait Laran, l'autre pan qui a été stoppé. Ah, ben oui. Ah, c'est vrai, parce que oui, du coup, oui, avant je faisais du comportement en même temps, animalier. Ouais, j'ai arrêté parce que... Ouais, j'ai arrêté parce que ça prenait trop de temps. Puis il y a le Covid aussi. Oui, aussi. Ça, notre ça histoire, une, encore ça. Ça a été la période qui nous a tous et toutes lancés sur Twitch et le post-Covid nous a dit alors tu continues pas, toi t'es genre allez un petit peu quand même, allez c'est ça, allez d'accord, j'ai une petite carte, on va jouer à Stray, voilà. Il y a un bouton pour faire miaou. C'est cool. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon bah je suis pas Modo de Gecko pour rien, dit Nana. Alors attends, je l'ai pas là, j'ai pas la blague, mais sûrement oui, tu l'es pas pour rien Nana, effectivement. C'est personne adorable aussi Nana. Ok, bon, bah écoute, je vais me permettre de dire, je pense qu'on arrive à la fin, parce qu'à nouveau, comme tu as dit, on parle, c'est super intéressant. Ah, c'est infini, hein, c'est infini. Voilà. Je pense que sinon, on n'a pas fini, c'est trop long et tout. Ah, voilà, j'ai une petite question à la fin du stream, comment tu as fait pour rencontrer JDG et Bob Lennon ? Tu t'abonneras à ma newsletter payante. Voilà. Pour seulement 5€ par jour, je peux te donner des conseils. pour rencontrer JDG et Bob Lennon. Il y a un moment, je finis par faire payer. Toujours le mot pour rire, Romain. Mais ouais, toujours, c'est très très drôle. Ah, sur mon niveau de désorganisation, disait Nana. Ah bah oui, non, mais là-dessus, on est pareil. Oui, c'est... Pardon, je call out les gens un petit peu, mais voilà. Ouais, non, on est pareil, effectivement. C'est vrai que c'est... Mais c'est ça qui est bien. Moi, je suis content de rencontrer, de pouvoir échanger avec des streamers comme toi. Croca, on ne parle pas forcément énormément dehors des streams et tout, mais moi j'ai un peu quitté la plupart des Discords parce que trop de notifs et de toute façon je participais pas. Et voilà, mais ouais, non, les quelques échanges qu'on a déjà eu et tout, j'étais plutôt content et ça fait plaisir. Voilà. Ouais, c'est toujours ce que je trouve intéressant sur Twitch, c'est justement cette capacité que la plateforme elle offre, enfin les possibilités plutôt que la plateforme offre. De rencontrer des gens de tout horizon que tu n'aurais peut-être pas rencontré en dehors, en fait. Exactement. Tu vois, ça. Parce que tu as des métiers qui... Bah, tu ne te croiseras peut-être pas parce que tu n'as pas les mêmes cercles. Et c'est ça que j'aime avec Twitch. Et c'est surtout, des fois, des affinités de caractère plus que des réseaux sociaux... Enfin, de la socialisation de circonstances IRL, tu vois. Et ouais, ça, je trouve ça trop intéressant. Et c'est toujours cool de rencontrer des personnes bienveillantes qui... voilà, qui essaie d'avancer aussi. Bah, toi, en l'occurrence, j'ai beaucoup aimé quand tu m'as parlé de... Je savais pas que c'était possible, le sous-titrage. Ah, sur Twitch. Bah, et je trouve que c'est une très belle cause et c'est très cool que tu la défendes et que tu la mettes en avant. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir invité. Ouais, merci d'avoir passé un très bon moment. Merci aux viewers aussi d'être passés. Je vais juste vous mettre le petit écran de pause, le temps de dire au revoir à Croca offline et tout. Et puis après, on va voir si on va raid quelqu'un. Voilà, on dit qu'on fait comme ça. Hop là, allez, je te laisse dire au revoir, Croca. Des bisous, merci à tous en tout cas. Et prenez soin de vous. Voilà. Des bisous. Allez, hop là, je coupe l'audio.
waking up to nothing leads to memories of us. But do you recognize it's what I feel? There's something deeper about the way this feels. Cause I will be there for you. Ma caméra. Attendez, j'arrive. J'arrive. Voilà. Merde. Voilà. Merci beaucoup pour le follow du coup, Fumeur du McDo et Luciole. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi la chaîne. Attendez, je vous demande une bonne soirée, machin. Bonne soirée tout le monde. J'espère que. Que ça vous a plu, que c'était intéressant, ça m'a fait très plaisir en tout cas de recevoir Croca. Ce Croca, vraiment, je la suis depuis un an, je suis son travail depuis un an et demi. Voilà, je passe de temps en temps sur les streams, surtout comme je disais, surtout en lurk, mais je suis très content d'avoir pu la recevoir parce que ça fait plaisir d'avoir d'autres personnes qui streament sur la chaîne. Ça arrive pas souvent, c'est la deuxième fois pour parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, à nouveau, merci à tout le monde d'être venu, d'en avoir parlé. Si jamais, j'en profite, avant de, voilà, c'est une bonne découverte et aussi un bon moment partagé. Bah écoutez, j'espère pouvoir organiser d'autres moments comme ça avec d'autres personnes dans le futur. Pareil, c'est du boulot comme on dit, j'attends effectivement des retours pour essayer d'avoir des rendez-vous avec des gens, voilà, comme ça, que j'aime bien, créateurs, créatrices de contenu. On devrait mettre plus en avant qu'on vite sur la chaîne. Ceci étant, quand même, j'en profite très rapidement avant de partir en raid, parce qu'on va sûrement aller faire un raid. Petite présentation du coup, quand même, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a certains, je sais, qui connaissent un peu ce que je fais, d'autres qui connaissent pas trop. Moi du coup, ici sur cette chaîne, je stream quand je peux. Comme j'ai dit, malheureusement, j'ai un boulot qui me permet pas d'avoir des horaires très réguliers, mais voilà, je stream quand je peux. En ce moment, on est en train de jouer à Ni no Kuni 2, le long play, de manière très tranquille, pour essayer de terminer le jeu. En général, tous les lundis si je peux. Voilà, j'ai repris un petit peu le sport avec Ring Fit, que je vais essayer de faire une fois par semaine. Tous les 15 jours, on fait de la cuisine, et une fois par mois, on parle d'actualité en lien avec la communauté sourde, la langue des signes et la culture sourde. Voilà, vous avez eu le brief comme ça, vous savez pourquoi vous l'avez follow. Ceci étant, écoutez, bah, je vois qu'il voilà, il est tard, hein, comme je disais. Si j'ai arrêté l'interview, c'est pas pour vous parler non plus. Pas très longtemps, il va falloir que j'aille dormir, j'ai pas envie de bosser demain. Mais, très joli projet, merci Luciole. Merci. On va partir sur un petit raid. Raid des familles. Je vais regarder un petit peu qui c'est qu'il y a à raid. Dans les gens que je suis. Parce que il faut. Non. Il faut, hein, savoir. Je vais regarder. Écoutez, on parlait de Stray tout à l'heure, vous voyez. On a ma pote Pimous. Pimous, j'aime bien parce qu'elle stream un petit peu de manière détente. C'est une meuf assez cool.
qui stream du GTA et tout, et là elle est en train de streamer Stray. Alors, je me dis quand même, s'il y en a qui veulent pas se faire spoiler, elle est vers la fin du jeu. Ah non, mais attendez, elle est à la fin, merde. Ah non, mais là si je l'arrête, c'est la fin du stream. Merde. Oh non, parce que je veux bien l'arrête, mais du coup là vous allez avoir un gros spoil. Et du coup, attendez. Alors, je suis désolé, ça m'embête énormément pour Pimous, mais là vraiment, si je l'arrête, vraiment vous arrivez en fin de stream. J'aime. Mais elle mérite. Si on fait en raid Pimous ou vous avez quelqu'un à conseiller? Sinon, j'ai personne d'autre là dans mes follow. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre à conseiller sinon? Là, elle est vraiment sur la totale fin du jeu là. Elle fait vraiment les dernières secondes du jeu. Donc bon. Ouais, non, j'ai de distorsion, mais bon, pas besoin d'envoyer chez Disto, quoi. Est-ce que, ouais, vous avez... Non. Non, bah écoutez... Bah écoutez, s'il n'y a pas de nom, on va quand même partir chez Pimous, parce que... Personne, même en découverte, il y a pas des gens. Ah, attendez, si, il y a elle. J'aime bien elle. Je croyais que je la suivais. Je vérifie, mais il me semble qu'il y a Mustel qui fait des trucs cool. Donc on va partir là-bas plutôt. Une personne très très chouette. Mais il me semblait que je la followais déjà. Bah écoutez, ça part là-dessus. Voilà. On va pas faire Pimous comme elle est en fin de stream, mais on va aller raid. Mustel fait des tweets rigolos aussi des fois. Et là, un petit stream papotage pour finir la soirée tranquille, quoi. Je vous envoie là-bas. À nouveau, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Et je vous dis peut-être à bientôt. Voilà. Catégorie Gundam ou une catégorie Gunpla. Oh, coucou le raid. Hello Gecko Essence. Mais Gecko qui vient follow la chaîne et qui lâche un raid ensuite. Mais quoi? Mais merci beaucoup, tu régales. Bonsoir, mais bienvenue sur la chaîne. Comment t'es tombé ici? D'ailleurs, j'ai commencé à regarder Evangelion. Ça a un peu mal vieilli sur certains points ou c'est juste moi? Ah, oh, j'en ai aucune idée, moutarde. Bienvenue le raid. Salut Eliaran. Salut Luchiol. Hello hello. Qu'est-ce que tu faisais de beau? Tu étais en talk show et podcast. Et si je dis pas de bêtises? Ah, je peux pas comprendre ton titre, du coup je peux pas expliquer avec les infos que j'ai ce que t'étais en train de faire. Mais en tout cas, merci infiniment d'avoir pensé à la chaîne. Et n'hésite pas bah, du coup à nous présenter la tienne dans le chat. Il me semblait déjà follow en fait. Bah. Salut Nana Singh. Je te suis sur Twitter du coup paf. Oh! Oh, le monde est petit. Attends, mais moi je crois pas non plus que je crois pas que j'ai déjà eu l'occasion de follow ta chaîne. Aïe. Aïe aïe. Attends voir. Ah, c'est bizarre, du coup je vois le retour de mon propre stream. Merci infiniment du coup. Hello Nanas. Non, j'ai déjà dit. Discuter avec une streameuse qui s'appelle Crocaccino, d'accord. Et c'était un peu en mode interview posée. Jamais trouvé de catégorie Gunpla. Ben, je pense qu'en fait, c'est dans Makers and Crafting et qu'ensuite, tu mets le tag Gunpla. Donc, on va faire ça. On va rajouter. Là, en plus, maintenant, Twitch a rajouté des nouveaux tags. Ça, c'est le feu, ça. Gunpla, et je peux mettre le tag Gundam. Ah, non. Alors, je vais en enlever un. Merci beaucoup. Merci, Danger. Danger Miss pour le follow. Hop là, j'avoue, je vous laisse reprendre le cours du stream. Je fais de la cuisine. Je parle de langue, de signes, de culture sourde et on fait du sport. Mais c'est génial. Mais c'est juste trop génial. Mais c'est trop cool. N'hésitez pas à aller follow les gens du chat. D'abord, vous mettez la série 95. Mais tu fais plein de choses, mais du coup, genre, t'apprends un peu la langue des signes et tout. Attends, j'ai mal lu ou culture sourde? Ah oui. Bien, faut vraiment que je vienne. J'avais appris quand j'étais quand je travaillais du coup en kebab
J'avais appris à dire 2-3 trucs en langue des signes, notamment frites et mayonnaise. Et j'en ai oublié certains parce que je pratique plus trop. Et aioli aussi. Enfin, on m'avait dit comment dire l'ail, du coup ça marchait à peu près pour aioli, on m'avait dit. Dans le contexte, ça marche. Et pourtant, dans les deux cas, on a sacrifié notre jeunesse. De quoi tu parles, Hypophyse ? Je parle la langue des signes, mais je partage du contenu en lien avec la communauté sourde. Hein ? Oh, faut vraiment que je vienne voir. Oh, c'est trop gentil d'être venu jusqu'à nous. Bah, merci beaucoup. Je manquerai pas de passer. Bah, ce soir, ouais. Du coup, ce soir, c'est du gunpla qui est prévu. Habituellement, on part sur des créations.